retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été arnaqué dans n'importe quel domaine d'ailleurs? Est-ce que moi, victime d'arnaque? Alors apparemment Charlotte oui. Alors en quoi? En fait, il y a quelques années, je voulais avoir un chien. Oui. Et en fait, j'ai vu une annonce sur mon coin. Et en fait, je me suis rendu compte que le chien venait d'Afrique. Ah, et d'Afrique à venir en France, ça parce fait que même les chiens viennent d'Afrique maintenant. Ah, c'est la première fois. Et la nana, alors avant, à l'époque, il y avait encore MSN, la discussion instantanée. Et je commençais à discuter avec elle, et elle me demandait souvent ma caméra. Oui, ça c'est dangereux ça. Je me suis dit, si elle me demande ma caméra, c'est quand même bizarre, donc je vais jamais, j'ai jamais accepté. Et ça a duré à peu près quelques semaines. Après, j'ai posé des questions, comment le chien, comment elle allait faire. Donc j'ai appris qu'elle l'endormait tout le bordel. Je l'ai jamais pris, et la nana, je l'ai carrément bloqué. Heureusement que t'as jamais pris le chien, mais bon. Heureusement, si je peux me permettre. Mais cette histoire de chien d'Afrique, comment attends, ça veut dire que t'as acheté un chien où, dans un site d'annonce, où c'est que tu l'as trouvé ce chien? Sur le bon coin, en fait, il y a une nana qui marquait qu'elle donnait un chien contre les bons soins. En posant des questions et tout ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle habitait en Afrique. D'accord, donc ça veut dire que la personne habitait en Afrique. Donc, en plus, tu aurais reçu le chien comment, en Colissimo? Bah, j'en sais rien, mais à mon avis, j'en suis sûr qu'il n'y avait pas de chien et que c'était juste pour l'argent. Les sous. C'est-à-dire l'argent, vous savez comment ça fonctionne. Colis DHL. Donc, vous imaginez, le chien, à partir d'Afrique, il va atterrir en Colissimo. En plus aussi, c'était un bulldog français, alors... Donc il part, il fait 80 kilos, il arrive en France, il fait 10 grammes. Oh, c'est 80 kilos, un chiot. Eh, tu me la referas celle-là. Ah bah, c'est un bulldog. Hein. Ouais, mais en 80 kilos, mais un chiot. Tu sais pas ce qu'il va bouffer pendant tout le trajet. Hein, bah justement, il mange rien. Il dort, il est en colis. Des bananes. Des bananes, oui. Flambé tant qu'on y est, mais je sais pas ce que je dis. C'est un peu. Je suis désolé, c'est vraiment la fatigue. Imaginez, je suis debout depuis 5 heures du matin. Donc ça. C'est un peu ça, ouais. C'est pour ça que mon cerveau est un peu déraillé. C'est pour ça que tu m'as réveillé à 5h30, alors. Je t'ai jamais réveillé à 5h30. Ah, je déconne. Il est devenu blanc comme un cachet, là, direct. Non, pas tout, pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu l'as eu sur le bon coin. Donc, quand est-ce que tu as saisi que c'était une arnaque? Ah, quelques minutes après, ça. En discutant avec la nana en question, je l'ai un peu canardé de questions, ça durait bien une heure. Et après, c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle habitait en Afrique et qu'elle avait un élevage là-bas. Je ne l'ai jamais cru. Et à chaque fois que je me connectais sur MSN, elle me demandait ma caméra. Ah oui, ça c'est bizarre. Et j'ai trouvé ça vraiment suspect en fait. Surtout le chantage par webcam qu'on en parlera plus tard, qui se fait souvent sur Skype d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que l'un d'entre vous encore peut-être... J'ai vu un oui de Angélique, je crois. Si, t'as fait oui. T'as été déjà victime d'arnaque? Oui, honnêtement. BBC Design qui était sur Sisteron, qui nous aura téléphoné pour dire qu'on avait gagné soi-disant le grand lot, un canapé, toute la tonne quoi. Ça, on va en parler juste après parce que. Et ça... finalement, mon beau-frère Jean-Pierre, qui est le frère de mon mari, nous a dit que c'était une arnaque parce qu'après il fallait faire la maison des crédits et du coup, ben, on leur a dit non. Vous pouvez garder votre merde en parlant poliment. Et je suis reparti. Avec mon mari, tranquille, chez moi. Voilà. Laurent, de ton côté, oui. t'as pas eu d'arnaque à la truite? Non, pas encore. Les truites t'ont pas arnaqué, non, encore. Non. Il s'est retrouvé avec un plancton à la place de la truite. Est-ce que, honnêtement, sérieusement, t'as pas... L'explication pour les truites, c'était passionné de pêche, je crois, si je me trompe pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de ça, qu'on a déconné de ça. Mais sérieusement, sinon, t'as déjà eu un problème d'arnaque dans ta vie ou pas? Non. Jamais? Non,
Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. Non, il a jamais été victime d'arnaque parce que c'est lui qui arnaque les gens, en fait. Ah! C'est faux parce que le sanglier n'était pas une arnaque, c'était pas du bœuf. Donc, je peux le dire. Ouais, il y avait un peu de poils dedans, ou pas? Comment? Un peu des poils dedans. Ah ouais, comme ça, je m'en souviens encore, mais, La preuve qu'il y en a un qui coince entre les dents, encore. Oui, ça t'a marqué, ça. Lionel, de ton côté? Oh, bah oui, moi, j'étais victime de quelques arnaques, notamment, bon, j'étais assez vulnérable, fut un temps une période de ma vie. Où justement par une personne du côté d'Abidjan là-bas hein, qui m'a donc là ça revient sur l'histoire des mécènes hein, une voilà. Nouvelle voilà, là c'est la grande époque MSN ça, donc, voilà. Où cette personne-là m'a dit oui j'ai des problèmes de liquidité, je vous envoie un chèque, il faudrait me renvoyer le liquide et tout. Moi j'ai dit ouais, il n'y a pas de souci hein, trop bon trop con hein, comme on dit. J'ai à réception de ce chèque-là, j'ai quand même vérifié si l'adresse du chèque correspondait bien, j'ai appelé la banque et tout. La banque me dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Je dis bon, ben ok, je dépose mon chèque à la banque, je retire le liquide en contrepartie, que je renvoie par Western Union. Qu'on en parlera tout à l'heure voilà. Aussi. Et quoi, une semaine, 15 jours après, un courrier de la banque en disant que le chèque que j'avais mis était faux. Était, voilà, c'était un chèque volé, que c'est. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai été redevable de la dette du montant du chèque. Alors, on va faire la transition, parce qu'on va faire pas catégorie d'arnaque, parce qu'il y a tellement de, oui, il y a tellement de catégories. Là, on va commencer par les loteries, les cadeaux. Vous avez sûrement reçu un jour ou un autre par courrier. Vous avez gagné une voiture. Vous avez gagné 50 000 euros. Vous savez, les tirages au sort, là, par courrier. Vous y croyez ou pas, ça? Pas du tout. Non. Et même maintenant, ça fait vachement beaucoup au niveau téléphonique. Et notamment aussi quand t'as un numéro de téléphone qui t'appelle et qui te dit, voilà, vous avez un colis, il faudrait venir le récupérer. C'est ça, oui. Ce que tu as eu, toi. Alors, pourquoi un exemple? Non, c'est bon. Moi, ça m'arrive assez souvent sur mon téléphone fixe, on m'appelle pour me dire que j'ai un colis à récupérer. Et moi, tu sais, mon fixe, j'ai les numéros de téléphone qui s'affichent. Et quand je vois que c'est un numéro, un style 09, un truc comme ça, je réponds jamais. On en parlera tout à l'heure aussi des téléphones. Et, j'ai entendu, Laurent, t'as eu ce même truc aussi? Ouais, ouais, ce même problème, là, qu'on avait eu, c'est quoi déjà? C'était quoi reçu, ça c'était quand on avait reçu un colis dans un colis ouais t'as reçu un texto en te disant comme quoi ouais, t'avais un colis en attente. Ah ça se fait encore ça oui, j'ai pas au courant encore. Moi aussi j'en reçois hein. Des textos ah, ouais. En fait c'est pas vrai quoi, c'est juste pour un arnaque quoi. C'est ça. D'accord. Et on te dit de rappeler le numéro. Voilà. Pour, voilà. Alors ça, oui. 09 et 09. Alors il y a deux types de choses. Alors il y a deux petits. Alors là, il faut faire comparer deux choses. Là, on parle des loteries, hein. On parle pas des vous savez, quand on vous démarche pour les assurances ou ça, c'est les appels téléphoniques, on vous harcèle, on en parle tout à l'heure, les 01 et les 09, qui vous demandent à souscrire à une assurance, tout ça. Ça n'a strictement rien à voir, on en parlera tout à l'heure. Là, on est pour l'instant sur on vous promet de l'argent, vous les recevez même par mail, ces genres de choses. Comme quoi, vous, quand, voilà, il faut faire un sondage pour gagner de l'argent, par exemple. Ouais, enfin, ma grand-mère, elle a déjà eu ça. Alors justement, en parlant des personnes âgées, ce sont les plus vulnérables face à ça, justement, notamment sur les mails et Internet. Quand ils connaissent pas, ben, malheureusement, ils tombent dedans, ils tombent dans le piège, les abus de confiance, y compris, on peut parler aussi des personnes handicapées, qui ceux qui ont des handicaps moteurs, des handicaps, qui ne savent pas comment faire face à ça, et qui tombent dans le piège. Et c'est ce qu'on dénonce, c'est pour ça que je tenais à en parler de ce sujet. Ça, et puis il faut être super vigilant, parce que quand vous savez que vous n'avez pas participé à un tirage au sort ou à des trucs comme ça où vous êtes inscrit pour jouer pour gagner un certain lot, ne pas répondre à ce genre de trucs parce que automatiquement c'est une arnaque. Un exemple, grand tirage au sort de 500 000 euros, vous êtes officiellement déclaré gagnant. Ça veut dire qu'en plus, vous recevez par courrier un chèque virtuel, en disant vous avez gagné 500 000 euros. Mais est-ce que vous les avez déjà vus déjà, est-ce que le tirage au sort a lieu? Ça, on n'en sait rien. Puisqu'en plus, les noms des huissiers, les trois quarts du temps, c'est, maître Delacroix, huissier de justice, et tu tapes maître Delacroix, il n'y en a aucun qui existe. Ou alors s'il s'appelle mais Christian souvent parce que ça déjà il faut voir aussi vous savez les tout petits caractères qui sont enfin en astérisque là ça faut faire très attention à ça et il faut bien lire de A à Z tout ce qui est écrit sur le courrier. Et le deuxième point c'est qu'en plus pour être tiré au sort il faut en plus se souscrire, vous savez il y a des abonnements de magazines. C'est ça. C'est ça, vous savez les petits coupons et qu'il faut coller
Voilà. Donc pour gagner, il faut en plus se souscrire à des choses. Alors ça veut dire que tu payes un abonnement sans rien d'avoir derrière. Sans être sûr de gagner en plus. Et c'est ça. Donc voilà, l'arnaque est là en fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dénoncer là-dessus, d'autres exemples au niveau des loteries, des cadeaux? Est-ce que certains ont rien à voir? C'est peut-être pas forcément l'arnaque. On en a parlé hier vite fait. Est-ce qu'il y en a certains qui jouent à des jeux en ligne? Non. Non. Poker, PMU. Oh non. Non, jamais. Moi, ça m'est arrivé PMU. Mmh. Je le dis franchement. Moi, c'est pas d'arnaque, hein, PMU. Mais par contre, le problème, c'est que c'est un attrape. Ça, moi, ça m'est arrivé sur site de poker. Poker. Moi, PMU. Toi, poker, tu t'es déjà fait bouffer l'argent? Bouffer, non, parce que bon, de toute façon, je suis parti avec une mise. Donc, on te dit oui, voilà. On vous offre pour 15 euros, on t'offre une certaine mise. Mmh. Donc bon, toi tu as payé les 15 euros forcément, et je jouais uniquement la mise sur laquelle on m'avait fait cadeau. Après, si je voulais rajouter derrière, je rajoutais derrière, mais bon, généralement je ne dépassais pas la mise en question. Puis si je perdais, et puis je me déconnectais. Alors les démarchages téléphoniques, c'est ce que Charlotte nous a dit juste avant. Est-ce que vous recevez souvent des appels téléphoniques venant de 01 et 09? Ouais, c'est souvent, bah, c'est au moins 3 ou 4 fois par jour. Ah oui, des fois ça peut aller jusqu'à 7, 8 fois, jusqu'à toute la journée, 24 heures sur 24. Mmh. Ouais, moi ça peut commencer, c'est, m'est arrivé une fois, c'était un 03 et c'était à 3h30 du mat. À 3h30 du mat? Mmh. C'est-à-dire, on peut pas dire que c'est l'assurance à 3h30 non, du matin. Non, hein. Non, c'était un truc à la con. Et en fait, j'ai rappelé le numéro et j'ai laissé un message en me disant que c'était inadmissible d'appeler les gens, même si c'est un ordinateur qui programme à 3h du matin pour réveiller les gens. Parce que là, en plus, c'était sur mon fixe. Admettons, je sais pas, ça aurait pu être mon père qui m'annonce qu'il y a quelqu'un qui était décédé ou je sais pas quoi. Donc, tu vois, ça, voilà, t'as la trouille tout de suite. Les 09, après, moi, je m'en méfie parce que les 09, t'as souvent des box aussi, tu sais, des gens qui ont des numéros de téléphone qui commencent par 09. Mais en général, je les sauvegarde sur mon téléphone. 01, c'est récurrent. Ça peut aller très bien le matin, à commencer à 8h du matin et finir à 22h. C'est dingue ça. Alors en fait, il y a plusieurs problèmes. C'est que, un, ils vous laissent pas de messages sur répondeur. Je pense que vous l'avez remarqué. Si vous êtes bien concerné. Si, déjà, ça dépend. C'est rare, trucs, c'est surtout ces trucs de bagnole voilà. Aussi. Quand il y a des portes ouvertes des voitures, ça te laisse sur le répondeur, mais ça dure 3 plombs. Alors en fait, il y a plusieurs manières de faire attention. Un, ils vous laissent pas de messages. En plus, quand ils vous appellent plusieurs fois la suite sans laisser de message, déjà, vous oubliez, vous pouvez déjà zapper ce téléphone. Le deuxième point, c'est qu'ils vous laissent aussi des messages automatiques. Sur ouais. Répondeur, vous entendez une voix vocale du genre il vous demande des fois même d'appeler un 08. C'est ça. Oui, ça sauf ouais. Que malheureusement, si vous appelez ce 08, vous allez avoir des mauvaises surprises, notamment sur vos factures ouais. Téléphoniques. Parce qu'après, on va vous bouffer vos abonnements téléphoniques, bouffer aussi vos portables, parce qu'aussi il y a du piratage derrière. Donc faut faire très attention à ce problème là. Autre exemple qu'on peut citer. Après c'est souvent après vous avez de la chance, ça peut être aussi des assurances qui peuvent vous proposer des forfaits notamment sur les accidents, sur les assurances vie, tout ça quoi. Voilà. Après t'as une chance sur combien sur tomber sur ça. Donc ça c'est le problème. Donc aujourd'hui on ne sait plus où on en est quelle est votre réaction première quand vous avez à faire des numéros qui commencent par 01 09, quelle est votre première réaction? Moi je réponds pas. Pourquoi? Parce que après le problème qu'il y a quand tu réponds, c'est qu'ils vont te bassiner la tronche et que t'arrives jamais à t'en défaire. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois c'était un truc une fois avec les fenêtres, pour des fenêtres, et la nana elle n'arrêtait pas d'argumenter, et puis à un moment donné j'ai fini par lui raccrocher la tronche parce que j'en avais marre. Angélique? Oh, moi, y a pas plus bonjour, de bonjour Angélique, le soleil vient de se lever, hein. Bonjour, ouais, bienvenue. Donc tu disais. Moi, y a pas plus tard que tout à l'heure, avant que ma mère elle rentre des courses et tout, on m'appelle. Déjà, je suis pas raciste, je le dis bien. Je dis bien. C'est un arabe, il a estropié déjà mon nom de famille, alors j'ai pas supporté. Et il a pas eu le temps de finir parce que je lui ai dit que tout ce qui concerne les assurances ou quoi que ce soit, j'ai une curatelle qui gère ce domaine-là. Alors j'ai raccroché au nez. Voilà. Direct. Oui, bon, toi, t'es protégé par ça, mais sinon, toi. Ah non, sinon, moi, j'envoie chez direct, je cherche pas midi par à 14h. Voilà. T'y crois pas du tout? Ah non, pas du tout. Même pour les assurances? Ah, même pour les assurances. Tu te dis, voilà, c'est bouffe-pognon. Voilà, parce que déjà, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais comme papier et tout. Après, voilà. Laurent, même chose, je suppose.
Oui, pareil. Je me suis posé la question. C'est facile, Lionel, même chose. Alors moi, c'est... Tu réponds pas, je te vois. Non, je ne réponds pas. Et de toute façon, maintenant, je ne réponds plus, étant donné que depuis 2-3 jours, j'ai rentré les numéros en question sur un site sur Internet qui bloque ces numéros-là. Et qui sont d'ailleurs très surveillés par les forces de l'ordre, tout ça, puisque c'est passé aux informations, tout ça, attention. Hein. Me demandez pas le nom du site, je l'ai mangé. D'accord. Bah oui, j'avais un petit peu faim. T'as mangé le site. Qui c'est qui fait du bruit derrière? Moi, je jouais avec mon cordon, pardon. Tu sais qu'on entend tout, Charlotte, avec nos... Ce que tu ne sais pas, maintenant, on a des casques retour, hein. On entend tous les détails maintenant. Donc voilà, tous ces numéros sont rentrés sur cette base de données, et si les personnes continuent d'insister à appeler, ils sont amenés à payer une forte amende, quoi, de toute façon. Donc, donc ça, c'est des suites judiciaires, de toute façon. Toi, je sais que ta première action sur ton portable, je te connais pas. Quand je connais pas le numéro, de toute façon, je laisse sonner, et puis voilà, quoi. Mais moi, sur les portables, ça m'arrive aussi d'avoir des 05 et 03. C'est ça, j'en ai eu un tout à l'heure de 05. Bah, j'ai dit, bah, écoute, mon gars, fais-toi plaisir. Alors, je vais expliquer par rapport au téléphone. Explication pourquoi il y a autant aujourd'hui, effectivement, les fixes et tout ça, mais il existe aujourd'hui des téléphones universels. Il y a des téléphones par Skype. Il y a des téléphones par IP. Faut être honnête, et malheureusement, ben, plein de professionnels utilisent ces genres de numéros virtuels afin de vous piéger, quoi, en fait. Malheureusement, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, comment détecter ces numéros? Ben, on ne peut pas. C'est pas évident. Et qu'est-ce que vous faites, au fait, si vous faites face à des numéros inconnus? Je réponds pas non plus, moi. Quand c'est un numéro masqué, je réponds pas, en général. Parce que j'estime que si une personne veut me joindre et qu'elle a vraiment besoin de me parler, si elle voit que je réponds pas, me laisse un message. Autre chose? Oui, pareil. Je vois pas l'intérêt de cacher son numéro en plus. Ouais. C'est complètement débile. Je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, si tu t'appelles en cachet, c'est que t'as quelque chose à te reprocher ou c'est voilà, même sur le fixe aussi, hein. Des fois, ça marque appel inconnu ou un truc comme ça. Moi, du moment où il y a marqué inconnu, je réponds pas. Secret, je réponds pas. Ah oui, c'est comme tout à l'heure. Yo, il m'a appelé, j'ai pas répondu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je peux pas appeler. C'est quoi ces propositions derrière, là? Attention, hein. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, hein. Non. Est-ce que vous connaissez, alors ça c'est dans une émission sans aucun doute. Ben, sans aucun doute, ça commence bien. De l'année dernière, j'ai entendu une histoire d'affaire de la photovoltaïque. Ça, en fait, il y a une personne qui s'est fait arnaquer sur ça. Il y a un consommateur à son domicile qui a contacté BCER, c'est une société qui aujourd'hui n'existe plus, et qui avait accepté un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 490 euros. Rien que ça. Bien évidemment, la proposition commerciale comportait également un prêt de même montant sur une durée de 15 ans. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'entreprise est fermée, les 21 000 euros, il les a perdus, le photovoltaïque, il a jamais vu. C'est ça. Donc, comme ça, c'est vite fait. Ils ont même pas laissé la pellicule. Bah, il a payé 21 000 euros, les photovoltaïques, les panneaux, il les a jamais vus, disons que ça n'a pas été finalisé, et il a perdu 21 000 euros. Et c'est très souvent ça, comme ça. Mais ça, malheureusement, ça existe aussi au niveau des entreprises de maçonnerie qui sont là pour te faire construire ta baraque ou des trucs comme ça, quoi, je veux dire. Alors on va te faire un devis, on va te dire oui, mais vous inquiétez pas, en 6 mois votre maison elle est montée, elle est tout ce que vous voulez, mais bon, il faut financer 90% des travaux. Mm-hmm. Et puis ta baraque elle sera jamais montée, quoi. Ah ouais. Oh bah tiens, bah ça c'est le cas typique de mes parents qui ont fait construire leur baraque. Mm-hmm. Alors à la base, donc quand ils ont fait les plans et tout ça, Le gars donc leur dit voilà, ça va, votre maison sera faite dans 9 mois. Ah oui. Ça a duré un an et demi. Un enfant, dis donc. Après donc en fait, mais en fait si tu veux, ça a commencé par le carrelage de la cuisine qui fait cuisine salon. Le poseur pose le carrelage mais ne voit pas qu'il a un défaut. Donc en fait, si tu veux, à un moment donné, le carrelage faisait comme un escalier, tu vois, donc avec une espèce de grosse montée. Donc il a fallu tout péter le carrelage cuisine salon pour pouvoir le refaire. Et quand ils ont voulu monter la cuisine, ils se sont rendu compte que le mur n'était pas droit. Mmh. Dans la salle de bain, c'était ils avaient fini de mettre le carrelage mural et tout ça. Je discutais avec mon père dans la cuisine, on entend un grand boom, c'était le carrelage mural qui s'était pété la gueule. Ça a été mais une catastrophe, et là récemment c'est la piscine. Alors on en parlera de toute façon des problèmes de logement.
tout à l'heure. Par contre, ce qui est, ce qu'on a, ce qui, on faut rappeler qu'on est une émission de prévention également. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on a à débourser une somme pareille, parce que 21 000 euros, c'est quand même énorme, quand même à débourser. Il faut quand même, avant de signer un contrat, de signer une facture, tout ce que vous voulez, vérifier bien l'entreprise, si d'abord si elle existe, deux, si c'est fiable, trois, si elle comporte un numéro ciré, et puis il faut vérifier aussi les forums en quelque sorte sur internet, si il y a pas d'arnaque, s'il y a pas de problème, voilà, il y a des sites qui existent, il y a des sites d'arnaque, il y a des et puis vérifier les clauses du contrat aussi, voir quelles sont les voir hein, ça veut comme les gitans qui font tout comme officine, c'est ça, les façades, les cils, là. Ouais, c'est ça, ouais. Bah là ils vont pas tarder à tourner là d'ailleurs, ouais. Ça a commencé là. Donc, Vérifier les clauses de contrat, savoir quels sont les engagements de l'entreprise, de quoi elle se dégage exactement, parce que bon, l'entreprise peut vous dire non, mais de manière, si ça vous convient pas, on peut refaire machin, alors que non, pas du tout, quoi. Donc, les clauses de contrat sont très importantes. Très bien. Donc, de toute façon, on aura largement l'occasion aussi d'en reparler avec les problèmes de logement, de voiture, voilà, location de vacances, on aura largement de revenir là-dessus. Qui connaît ou qui a consulté ou qui a déjà vu voilà les voyances, par exemple? Est-ce que vous y croyez? Que dalle. Alors là, il y a des horoscopes, par exemple. Non, les boules de cristal. Absolument pas. Est-ce que t'as, dis-moi, Charlotte, est-ce que t'as regardé les émissions récentes de C'est mon choix? Non. Non, parce que figurez-vous, parce que ça j'étais encore mort de rire quand j'y repense encore. Figurez-vous que maintenant il y a des voyantes comme ça qui lient dans des couscous ou alors même dans du cassoulet, et vous sachez que la saucisse parle. La saucisse communique l'avenir. Aujourd'hui, monsieur Sandy, vous allez en chier. J'ai vu sur une saucisse. Donc, non, si vous connaissez l'émission de C'est mon choix sur Chérie 25, regardez, ça date de jeudi ou vendredi, je crois, cette émission. D'accord. En replay. Et ça vaut le détour, je te le dis franchement. Hein, c'est un truc de cinglé quand j'ai vu ça. Il y a même un furet. Mais j'y pense jamais. En plus, je regardais quand j'étais gamine, C'est mon choix. Et depuis que c'est revenu sur Chérie 25, j'y pense jamais à la regarder. Et il y a même un furet qui retourne les cartes, soi-disant. D'accord. Tout est faux, hein. Je assure, tout est, c'est de la supercherie dans toute sa splendeur. Et Mary Poppins, elle arrive quand à ce moment-là? Dès qu'elle a rouvert son parapluie. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les voyances en général, tout ce qui est, voilà, les cartes, est-ce que vous y croyez, les tarots? Non, pour moi, c'est, comme on avait fait une, rappelle-toi, on avait fait une émission, sur ça. Sur l'hypnose et je crois que c'était les médiums, il me semble. On a fait l'hypnose et voyance, alors c'était sur... Oui, tu t'en souviens très bien encore, je vois, j'imprécise. Et enfin, pour moi, c'est ce que je disais comme avant, pour moi, la voyance, c'est du charlatan, quoi. C'est, j'y crois même pas une seule seconde. Hier, je suis tombé sur une émission sur D17. Oui. C'est sur de la voyance, mais mon Dieu. Une nana qui demandait si elle avait trouvé un appartement... Bah, elle a qu'à chercher cette conne, n'est-ce pas? Alors, le problème des voyances, alors c'est pas, peut-être que c'est de la supercherie, mais pour ceux qui croient, sachez aussi que c'est un pic argent, quoi, on va dire. Parce que par téléphone, sachez que, je vous donne un exemple, parce que j'ai devant moi, pour 15 minutes d'appel, vous payez 79 euros. Pardon? Oui, comme tu dis, même mieux, parce combien de minutes d'appel? 15 minutes. 79 euros. Et puis attends, parce qu'en plus le but aussi des voyants, c'est de vous laisser, de vous garder le plus longtemps possible, voilà, vous faire miroiter tout ce que vous voulez afin que le coup d'appel, voilà, s'allonge. Et il y en a certains qui voient pas le temps passer jusqu'à une heure d'appel, jusqu'à une heure. Et il y a eu, et c'est une histoire vraie que j'ai vue, que j'en ai entendu, en une heure d'appel, cette personne a eu une facture de 500 euros. Ça m'étonne pas. C'est énorme. 500 euros pour une heure d'appel. Et la facture téléphonique a fait très mal derrière. Donc déjà, il faut faire attention aussi au coût des appels, combien, il faut bien vérifier tout ça. L'histoire des offres d'essai, il faut faire très attention, il faut se méfier, parce que voilà, c'est histoire de bien vous garder, quoi, en fait. Hein. Et donc voilà, il faut faire très attention à ça. Et par internet, même chose, alors c'est encore pire, parce qu'internet, on voit rien. Moi aussi, je peux vous faire de la voyance par radio. Hein. Je vais déclarer voyant, je vais vous voir une boule de cristal, essayez, payez-moi 49 euros. Allez-y, hein, je vais faire comme les psys, moi, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein. Non? Je lis dans ton avenir, Angélique. Qu'est-ce que je vois? T'as des joues roses aux oreilles. Non? J'ai bien vu? Non. Mes prémonitions sont bonnes? Non. Non, bah si, puisque t'as vraiment les joues roses sur tes oreilles. Donc voilà, les joues roses, histoire de déconner, c'est le casque.
Je vois de la fumée. Pardon. Non mais sérieux, voilà, c'est genre de traquenard évidemment. Vous y croyez pas du tout en fait, du pas, tout, non, du tout, du tout. Même l'horoscope. Pareil. Dis-moi, Angélique, va pas. C'est un peu comme la voyance, quoi. C'est. Votre horoscope, travail. Vous allez avoir un emploi. Santé, vous êtes en super forme. C'est ça. Hein. Alors attends, moi, hier soir, j'ai rigolé parce que pour moi, mon signe, c'était quoi? C'était célibataire. Sortez le grand jeu parce que une telle planète est dans votre signe. Vous avez trouvé l'amour dans peu de temps. Oui, mais n'empêche que vous êtes. Je crois qu'on en avait parlé, Charlotte, de ça la dernière fois. Mais je vais quand même reposer la question dans les horoscopes. Vous n'êtes pas dit que franchement, il y a 12 signes du zodiaque. On est, je sais pas combien de milliards d'habitants sur Terre. Mmh. Vous croyez que franchement je sais pas ce que c'était que ce bruit, mais très sympathique. Faire attention parce que ça fait mal au micro et ça fait mal au podcast. qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous êtes pas dit qu'en 12, voilà, parce que l'horoscope c'est pour, voilà, tout le signe. Et vous êtes dit que toutes les personnes qui ont le signe vont avoir la même horoscope. Vous n'êtes pas posé des questions. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc, santé, tout le monde aura un travail demain, donc le chômage va bien baisser, alors, dans ce cas, je vous le dis. Hein, C'est pour ça que Hollande a dit que tout allait bien. Bien sûr. Hollande, vous y croyez, vous? Eh ben, Hollande. Oui, j'y crois aux Pays-Bas, moi, j'y peux rien. Avec pays du fromage, ah oui, sans problème. Bah oui, j'y crois aux Pays-Bas, on a le droit. Hein. Plus Hollande, il aime les dames. Pardon. Je viens de capter le truc. Pas mal. T'as compris le bague? Non, j'ai les pas dames, le fromage. Ah. Reviens sur Terre. Tu connais quoi? Que le savon de Marseille? Et ouais. C'est ça? Ou la lavande? Non, la lavande, non. L'huile d'olive? Oui. Bon. Est-ce que... Bon, sérieusement, sinon... Bah, de toute façon, dans les horoscopes, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est vrai que bon, il y a les 12 signes, tout ça, donc forcément, ça peut pas être pour tout le monde pareil. Mais c'est pour ça que c'est pas possible. Mais tu vois, quand on voit sur les journaux ou les magazines télévisés, t'as toujours une page d'horoscope, tout ça. Mm-hmm. Automatiquement, il est dit ce qu'il est marqué dessus, mais automatiquement, ça va taper sur quelqu'un, puisqu'il y arrive un moment donné où tu vas te dire, ouais, en effet, ils ont pas tort. Mais ça arrive sur combien de personnes, quoi? Ça arrive sur tous les 36. Alors, comment convaincre aux gens? Parce que vous, vous y croyez pas du tout à la voyance. Mais comment vous allez convaincre aux personnes de pas y croire à la voyance? Qu'est-ce que pour vous, quelles sont vos affirmations par rapport à ça? Est-ce qu'on peut vraiment prévenir déjà l'avenir? Est-ce qu'on peut déjà prévenir... Et les rêves prémonitoires, t'en fais quoi? Ouais, mais c'est des rêves. Bah, c'est peut-être... pas quelque chose que tu peux toucher. Est-ce qu'on peut avoir des flashs prémonitoire? Je pense que oui, quand même. Pas prévu. Alors, est-ce qu'on peut voir l'avenir? Ça, par contre, j'ai... Est-ce qu'on peut dire que... Je pense pas qu'on puisse voir l'avenir, parce que sinon, ça... Alors, écoute, moi, j'ai une pote à moi qui a des rêves prémonitoires et qui sont assez souvent vrais. Mais après, est-ce que qu'elle devienne voyante, ça? Comme ça, du jour au lendemain? Ouais, non. Bien sûr, faut pas exagérer. Ça, je crois que c'est avec le temps. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça se fait pas. Mais ça fait pas très longtemps que je la connais. Elle a déjà fait deux rêves prémonitoires et qui ont été révélés vrais, quoi. Mm-hmm. Les deux pour un de mes potes et c'était un révélé vrai. Mais après, est-ce que vraiment être voyante Ça, c'est une autre question. Ouais, non. C'est pas la même. D'autres affirmations pour convaincre? Quelles sont vos affirmations pour convaincre, voilà, que la voyance pour vous, si quelqu'un a envie de lâcher du pognon pour rien, qu'il aille voir dans les voyants. Super. Super la prévention. Vous pouvez vider votre argent. Super, Charlotte, tu nous la referas, celle-là. Moi, je prends 90% des recettes. Hein. Sympa, donc pour faire de la prévention, pour éviter de l'argent, c'est allez-y, gassez votre argent et vous verrez. En gros, quelque part, c'est pas con. Quelque part, c'est vous allez faites au moins une fois, vous allez voir un retour. Par exemple, dans les journaux et tout ça, quand tu regardes Madame Monique voyante et qui prend je sais pas combien d'euros de l'heure, je sais pas, moi je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je sais que ça coûte très cher et tout ça et que en généralement, c'est faux, quoi. Donc, ce qu'on peut dire aussi, l'élément premier qui montre que c'est de l'arnaque, c'est l'argent. C'est-à-dire le prix que ça coûte, en fait. C'est comme les gourous. Les gourous qui, soi-disant, soignent,
et puis qui vont vous chasser les mauvaises ondes. Vous y croyez ça aussi? Non. Bah non, c'est quand même, enfin je sais pas, chasser des mauvaises ondes ou chasser les mauvais esprits. Enfin c'est. Vous soignez soigneur. Ça devient du surnaturel. Miss, qui est totalement ailleurs. Ah non non, mais j'écoute. T'écoutes, c'est la redoute. Mais donc je comprends mieux. Non non, fais pas la suite. La deuxième partie t'as évité, je précise. Non, dis rien, Laurent. Je pense que tu penses et c'est ça. Tu dois l'avoir en tête. Si on regarde. Bon, c'est on clôt l'histoire des voyants ou est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, après voilà, faut pas tomber dans le panneau, quoi. Je veux dire, hein. L'avenir, il sera ce qu'il sera et voilà. On dit toujours que là, on sait pas comment il fait demain. Alors c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit tout le temps. Tu sais comment il fait demain, Angélique? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu sais comment ça va, qu'est-ce qui va se produire demain? Ah non. Par exemple, demain il fait beau. Est-ce que Lionel pouvait s'imaginer du jour au lendemain qu'il allait casser un embrayage en plein col, par exemple? Par exemple, ou alors qu'il allait perdre internet en une soirée? Ben non. Je sais pas, est-ce que t'as prévu qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu avais prévu d'avoir un gros souci technique hier? Non, voilà. Sauf mais par contre, j'aurais dû le prévoir. Voilà. Mais tu l'as pas fait. Voilà. On ne peut pas prévoir ce qui arrivera demain. Mmh. C'est impossible. Autant tu vas te péter une cheville en descendant les quatre marches. Oh, pauvre Charlotte. Non mais c'est façon de parler. Tu peux pas savoir ce qui arrivera. Mais là, je me suis senti carrément concerné par ce Lionel. 7 mois de. Tu t'avais prévu de faire 7 mois d'arrière professionnel? Non. Tout à fait, oui. En fait, c'est ce que j'ai dit à ton patron. Ouais. C'est ce que j'ai dit à ton patron. J'ai dit que tu l'avais fait exprès de te péter la cheville, de toute façon. Ouais, mais. Ça a été dit d'ailleurs aussi, ouais, que je l'avais fait exprès pour être en arrêt. Ah oui, pourquoi ça a été. Ah bon, carrément, c'est vrai ça? Ouais. Ah bah ouais. Bravo, c'est charmant. Ouais. Sympa. Bravo les collègues. Bah, c'est vrai. Non mais t'as que ça à foutre, quoi, de te péter une cheville histoire d'avoir des jours de congé et d'être isolé. Et attends, la dernière fois c'était quoi qu'on m'a sorti aussi, parce que je crois que j'ai un collègue qui était vraiment jaloux que je sois en mi-temps thérapeutique en ce moment, et autre il m'a sorti que c'était un carton. Alors là, je lui ai dit bah écoute, le carton ça n'existe pas, mais bon, un carton thérapeutique, ouais. Très bien. N'importe quoi. Très bien. Donc ça, c'était sur le sujet des voyances. Et puis, des petites parenthèses. On va continuer vite fait sur les arnaques de l'argent. Donc j'ai des exemples. Par exemple, l'arnaque de l'investissement préalable. C'est une arnaque. D'ailleurs, c'est l'arnaque la plus courante aujourd'hui. Donc, exemple, pour commencer à gagner de l'argent, vous devez d'abord acquérir un kit de démarrage. On va en parler pourquoi. Ou un e-book. Tout y est expliqué. Vous devez donc débourser de l'argent avant de commencer. Et vous rentrerez rarement dans vos frais. C'est également comme ça que les régies à revenus partagés fonctionnent, comme Profit 25. On vous demande d'abord de verser 50 euros, qui soi-disant vont se transformer ensuite en 70 euros. Comme par enchantement. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous savez, les médicaments miracles? Vous savez, on vous prescrit des médicaments. Alors, je veux faire des exemples à la con, des médicaments pour maigrir, par exemple. On vous demande un échantillon gratuit. Voilà. Bah, par contre, il faut au moins que vous donniez votre RIB, votre carte bancaire, afin que pour les prélèvements suivants. Sauf que si t'as le choix de continuer ou de pas continuer, voilà, recevoir les produits, tout ça. Tu reçois plus jamais les produits, mais par contre, on te prélève sans cesse. Sans autorisation, sans rien. Ça vous est arrivé, ça, ou pas? Non. Moi, j'ai eu ça, parce que je l'ai fait, hein, je le cache pas. Le seul truc, c'est que moi, j'ai pas eu pour moi, ça, je l'ai jamais considéré comme une arnaque, parce qu'il y avait un suivi médical derrière, de toute façon. Donc, je suis allé chez mon médecin, tout ça, donc, j'ai fait voir les gélules, au TVR, etc., etc., pour perdre un minimum de poids. Et il m'a dit oui, ok, il y a pas de souci et tout. Et quand j'ai reçu donc mon colis avec ces gélules là, c'est un traitement de 3 mois, hein, qui dure généralement. Donc il m'a dit écoute, on va prendre ton poids maintenant, et pendant 3 mois tu vas faire le traitement comme on te dit de le faire, et 3 mois après on reprendra ton poids. Et effectivement, ça a marché. Donc je suis pas tombé sur une arnaque, quoi. Je veux dire, après il peut y en avoir ou. Non, parce que ça, en fait, c'est des attrape-nigauds sur internet. Ça veut dire qu'on vous fait des pubs avec des promesses. Vous allez perdre 5 kilos en une semaine. Vous avez droit à un échantillon gratuit. Un peu comme j'aime. C'est un petit peu ça, un échantillon gratuit. Donc il faut remplir un formulaire, tout ça. Donc on le remplit. Et par contre, il te demande en fait derrière ton numéro de carte bancaire, je pense, si je me trompe pas.
Or, il est stipulé, soi-disant, que vous pouvez arrêter à tout moment de recevoir les le fameux satisfaction remboursé. Sauf que ces arnaques, ils connaissent pas les satisfactions remboursées. C'est si tu arrêtes, tu es quand même prélevé. De je sais pas combien, je crois que c'est... Par contre, il y a toujours, attention, la loi est toujours en vigueur, même sur ces sites-là. C'est qu'il y a toujours les 7 jours de rétractation. Merci. De rien. Donc voilà quoi. Donc il faut être vachement vigilant quoi. Je veux dire, c'est pour ça, on le dira jamais assez. C'est comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est de lire les petits textes qu'il y a en dessous, les petits astérix, les petits trucs. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été pas piégé, mais attiré par des offres sur Internet, est-ce que vous êtes fait piéger derrière? Est-ce que ça vous arrive? Moi, j'ai une de mes tantes qui a essayé, on voit souvent, c'est Comme J'aime et tout ça, elle a essayé, pour essayer de perdre du poids, je crois qu'elle voulait perdre 10 kilos, elle fait toujours le même poids, quoi. Non, ça t'a jamais attiré, ce genre de choses? Pour Angélique, non, t'as zappé de suite. J'ai regardé Anaka 3, là, qui passe en ce moment à la télé, oui. Mais j'allais regarder sur le site, parce qu'en pharmacie, ils ne le vendaient pas. Alors j'ai tapé www.com et la 2020 pour voir un peu ce qu'ils disaient, et j'ai lu, et puis je trouve ça un peu ridicule quoi, parce que si on veut vraiment perdre du poids, c'est à nous, après c'est nous-mêmes, c'est pas les trucs, c'est nous, si on a envie de le faire, et il faut être tranquille, posé, en tête aussi quoi. Je veux dire, on veut faire un régime, on le fait, on est capable. Prendre toutes ces merdes, faire les trucs de prendre les gélules, couper les ventres, les anneaux. C'est moi, je sais que j'ai une copine, elle a fait l'anneau. Anneau gastrique, oui. Voilà, elle s'est fait mettre et elle mangeait très peu, mais elle vomissait autant. D'accord. Alors et depuis quand elle l'a enlevé, elle a doublé le double de volume, quoi. C'est complètement débile, quoi. C'est après, c'est la volonté de la personne, si elle a envie de le faire ou pas, quoi. Alors, autre arnaque qui existe très couramment, je l'ai cité tout à l'heure, c'est quand vous recevez des mails, que derrière, il faut remplir un sondage, en contrepartie, vous gagnerez soit des petits lots, soit de l'argent. Ça c'est très courant en ce moment, je vous le dis. Oui, c'est comme les mails où tu gagnes, je crois, c'est... Un portable. Oui, ou un nom de course. Ou l'équivalent de 6 mois de salaire, voilà quoi. Alors, là-dessus, le sondage est fiable, mais par derrière, en fait, vous gagnerez rien. La seule chose que vous gagnez, c'est des publicités intempestives, des multi mails de partenaires, tout ça qui vont vous envahir vos mails en fait. En gros, c'est ça que vous ramassez en retour. Alors l'autre problème, faut faire attention au piratage, parce que quand vous envoyez à n'importe qui n'importe quoi, derrière on sait jamais. C'est ça, puisqu'on transmet des coordonnées, donc c'est automatiquement ces coordonnées-là sont sauvegardées. Sur le site. Quelqu'un est déjà tombé dans le panneau sur ce principe-là en répondant à des sondages et que par derrière le mail a été envahi. Ça s'est déjà produit à quelqu'un ou pas ça? Alors moi ça m'est déjà arrivé, mais moi j'étais jeune et c'était sur Facebook de dire quand c'est marqué clique pour les 1000 premiers marqué j'aime pour les 1000 premiers t'auras un iPhone. Ah oui, ça je connaissais pas ça encore. Ah, pour les 1000 premiers, donc il y a 1000 iPhones à gagner en fait. Ouais, oui, c'est comme là, il y a eu un truc. Et moi j'ai essayé juste comme ça pour voir ce que ça faisait. J'étais dans les 1000 premières, j'ai jamais reçu un iPhone. Alors qu'est-ce que je peux vous citer d'autre au niveau de l'argent? Au niveau de l'arnaque de la facilité, c'est ce qu'on dit. Donc il s'agit de vous faire croire que vous pourrez gagner de l'argent sans connaissance particulière. N'importe qui pourra gagner un salaire extra, voire devenir riche en s'abonnant à tel service ou en achetant tel produit. Ça j'en parlerai après. Vous n'avez effectivement pas besoin d'aptitude ou de talent au préalable, mais le problème c'est que vous devrez apprendre de nouvelles choses pour commencer à gagner vraiment de l'argent. Par exemple, monter un blog est à la portée de tout le monde, mais vous serez forcé d'acquérir de solides connaissances en référencement, en marketing et en écriture notamment. Donc là, c'est un petit peu abus de confiance limite. Mais voyez l'histoire ou pas? En fait, là, c'est un petit peu en s'abonnant, en achetant des produits. Mais tiens, on en a parlé hier, par exemple, Lionel, on a parlé de GTA. Bien sûr, c'est un petit peu ça. Même si c'est pas internet tout ça, mais c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que sur le jeu GTA en ligne, donc il faut s'abonner à votre console tout ça, le live. Et tu voulais au hasard peut-être gagner des points, gagner des trucs, gagner des armes et tout ça. Donc tu vas sur internet, tu te dis tiens youpi, mais en échange qu'est-ce qu'il faut faire? S'abonner à une lampe torche.
pour 3 euros par semaine. Ouais, c'est plus 4,99 par semaine, mais oui, voilà, on te demande de cliquer sur une offre, donc t'as la lampe torche, t'as des sonneries, t'as des émoticônes, enfin bref, t'as plein de conneries, quoi. Une sonnerie par semaine. Mais c'est un abonnement à 4 euros par semaine qui est déduit automatiquement de ta facture, enfin qui est mis sur ta facture de téléphone de ton opérateur. Voilà quoi, ça c'est l'arnaque. Et le problème c'est que est-ce que c'est censé pirater les portables? Ça on sait pas. Est-ce qu'au niveau sécurité, est-ce que ça... Ça après si t'as un téléphone qui est vachement bien sécurisé, il va te dire attention, bon voilà, vous êtes sur le point d'installer telle ou telle application, bon, ça va te dire si c'est tout bon ou si c'est tout pas bon quoi. Donc voilà, donc quand vous tombez sur des sites qui vous imposent à payer 3 euros par semaine, vous savez que ce soit les sonneries portables, les lampes torches, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, les émoticônes, oui, tu m'as dit, les fonds d'écran, voilà, les sonneries, enfin il y a plein de choses. Ben ces choses-là, faut les éviter. Non, c'est ça. Ça veut pas dire que les applications sont pas bonnes, mais malheureusement c'est des bouffes. Oui, et puis si vous voulez une lampe torche sur votre téléphone, vous allez sur l'application Google Play et vous la téléchargez. Et en plus, elle est gratuite. Et il y a des applications en direct, en plus, qui est gratuite pour avoir des torches. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tu te fous pas la cheville, hein. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie. T'as pas envie, hein. Charlotte, même chose. Tu passes ton tour? Oui, voilà. Merci, Charlotte. concernant l'arnaque de l'ignorance, donc vous n'avez pas les connaissances ou l'expérience nécessaires dans un domaine pour savoir que l'offre qui vous est faite est disponible gratuitement, et c'est tant mieux pour l'escroc. Par exemple, un arnaqueur qui est très connu sur Internet vend une formation à 1000 euros pour vous aider à créer votre blog et lancer votre affaire. Ça, je connais ça avec les chats. Oui, 1000 euros, sachant que 95% des informations données dans cette formation sont disponibles gratuitement. Alors, l'ignorance, c'est vrai que nous, on l'a connu. C'est ce qu'on a, notamment sur les avec les chats, les hébergeurs de chats, on a eu ce problème là qui vous pour un service de 20 euros, ben tiens, et encore même récemment le tout dernier chat qu'on a fait aussi, on s'est fait avoir avec le forum et qu'on nous a supprimé comme ça par enchantement, alors que voilà, il propose un service pour un tel, mais finalement tu l'auras pas dans la durée, et puis tu payes pour rien, parce qu'en fait, c'est, en gros, ce que tu payes, ça leur appartient à eux, en fait. Et c'est ce qu'on s'est fait avoir pour les chats, malheureusement. D'ailleurs, le chat, j'ai oublié de le dire, va fermer le 10 juin. Voilà. Définitivement, oui. D'accord. Il y aura un chat basique, il y aura plus le chat qu'il y a en ce moment. Je tiens à le dire. Ça te rappelle quelque chose, l'histoire des chats, ce que je viens de dire? Ce qu'on a vécu il y a 2-3 ans déjà. Avec le GG. Oui, tu t'en souviens de cette histoire? Voilà, qui nous a bien arnaqué dans tous les sens du terme, et puis qui vous fait croire certaines choses. Ça t'appartient, et puis ça t'appartient pas, quoi. Pas du tout. Et en plus, tu payes. C'est ça. Et tu raques derrière, puis bonjour ce qu'on a perdu derrière. Ah ben oui, ça. Enfin, faut faire attention aux hébergeurs de chat. J'ai oublié de le dire, voilà, ceux qui veulent créer un chat, soyez très prudents et vigilants. Si vous voulez créer votre site internet ou des trucs comme ça, voilà, bien faire attention sur quoi vous vous lancez. Parce que c'est pareil, une création d'un site internet, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un bac pro ou un bac plus 20 en informatique pour en faire un. Hein. Concernant les paiements en ligne, est-ce que certains ont utilisé le moyen de paiement avec son opérateur internet? Oui. Internet Plus, si ça vous parle. Qui a essayé? Fiable? Moi, c'était pour un jeu. C'est fiable ou c'est pas fiable ce mode de paiement? Bah oui, parce que moi, ça va directement sur ma feuille de disons que c'est un paiement simplifié, quoi, je veux dire. Donc, ah, voilà, c'est rapide, quoi, je veux dire, t'as besoin d'un truc, ça passe par paiement directement sur ta facture. En toute honnêteté, en fait, j'ai joué à un jeu, il me fallait des vies, je crois que c'était Candy Crush Saga ou un truc comme ça, et j'étais tellement à fond dessus que voilà, que c'était genre 1 euro et quelques. Et ça va directement sur ma facture. Je l'ai fait qu'une seule fois. C'est ça. Et c'est comme il y a un site là, de téléchargement où tu payes, hein, pour pouvoir télécharger des films légalement. Et c'est 3 euros par mois, et enfin au prix le plus bas. Et c'est pris direct, c'est transféré directement sur ta facture téléphone. Vous arrivez ça? Non, je crois que vous pouvez pas faire ça. Si, moi je peux, mais sauf que moi j'ai la carte. On peut prendre aussi la. Si je veux jouer, par exemple, comme Charlotte a dit, à Candy Crush, on peut prendre des vies, mais on met une carte, un numéro de carte bleue en fait. T'as l'autorisation de faire ça? Parce que t'es peut-être dans une situation particulière, qu'on n'est pas obligé d'en parler, mais t'as le droit.
Ah oui, il y en a, oui, parce que tu prends la carte bleue de, admettons, de, tu prends la carte bleue de ta mère, ou un truc comme ça. Voilà. Tu prends la carte bleue de ta mère? Oh, mais moi, elle me la laisse. Ah, bah, de mieux en mieux. Non, mais je veux dire. J'ai le compte. J'ai celle de ma mère aussi, hein. Oh là là. Et c'est pas monstrueux, elle a toujours ses sous sur le compte, hein. C'est quoi, vous parlez des jeux Facebook, hein, par hasard? Oui, Candy Crush, voilà. Ah, Candy Crush, oui. Moi, je connaissais la... Farm Hero Saga. Ouais. Ah, moi, j'ai connu Super Fleuriste, Super Ferme, moi, ouais, personnellement. Ouais, mais bon, j'ai connu ça. Le problème, c'est qu'il faut faire attention de ne pas laisser vos cartes bancaires sur vos comptes Facebook. C'est pour ça que... Après, on peut l'enlever. Ils disent qu'on peut l'enlever. Même quand tu fais des trucs comme ça, quand on te dit « Ouais, voulez-vous enregistrer ?» Moi, vaut mieux pas enregistrer, quoi. Non, moi, non, je l'enregistre pas. Bah, un truc très simple, moi, c'est pareil. C'est pas... Moi, ça m'arrive, par exemple, de faire mes courses sur Auchan Drive. Et à chaque fois, quand je mets ma carte bleue sur internet, il me demande si je veux la comment la sauvegarder. Ouais. La sauvegarder, je refuse. Après, il y a un truc qui est bien pour ce genre de système là, c'est ce que j'utilise moi maintenant, c'est le e-card. Ouais. Le e-card bleu, par exemple, c'est un truc que tu as directement avec ta banque. Hein, moi, avec la Société Générale, c'est ce que j'ai automatiquement. C'est à dire que tout ce que je veux payer sur internet avec ma carte bancaire, je mets ce programme là. Et ouais. Tu connais bien ça aussi, ça te fait une carte bleue virtuelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les alors moi j'ai ça dans le Crédit Mutuel, Virtualis par exemple. Voilà. C'est à peu près le même truc. Et donc c'est une carte virtuelle, et donc c'est-à-dire que tous les codes sont tu peux t'en servir qu'une fois, quoi, je veux dire. Donc du coup tu ne peux pas te faire pirater ton compte, quoi, en fait. Alors par contre il y a aussi d'autres moyens de paiement qui sont plus recommandés, c'est les paiements sécurisés. Vous savez, quand vous recevez vous payez sur un site internet une commande, et qu'après on vous demande de un secure, voilà, et puis par texto vous recevez un code. Ouais. De 5 chiffres ou de 5 lettres. C'est ça. Ouais, et ça c'est souvent maintenant. Bah, c'est ce qui est le plus recommandé pour être honnête, parce que Virtualis, je sais pas si c'est forcément fiable. Tu as une fenêtre qui s'ouvre et puis on te dit oui voilà, on vous a envoyé un code sur votre téléphone, donc t'as les 3-4 numéros de ton téléphone qui s'affichent, et on te demande de rentrer soit le nom, soit le numéro qui est indiqué sur le mot de passe que tu reçois. Moi, ouais, c'est souvent quand je fais une commande sur internet, j'ai un SMS comme quoi que j'ai fait une commande avec le numéro de la commande et le prix. Et pour revenir à l'histoire de Internet Plus, vous recommandez ou pas de payer par vos opérateurs internet? Moi, je l'ai utilisé pour les petites sommes, donc. Ouais, moi pareil. Pas... Ouais. Mais j'ai jamais eu de soucis. Et il y a aucun souci, il y a pas de. Moi, j'ai pas eu de problème. Hein. Ça arrive bien sur la facture, il y a pas de souci, voilà. Bah tant que c'est prélevé directement sur ta facture, donc tu payes ce que ta facture téléphone plus ce que t'as consommé par rapport à ce que t'as pris sur internet. C'est ça. Voilà. Alors, sujet suivant, qui c'est qui m'a parlé du Bon Coin tout à l'heure? Moi. C'est toi, Charlotte, on est d'accord. Ouais, ouais. Tu m'en as pas parlé aussi, non, t'es pas concerné. Je crois que Lionel aussi, tu m'en as parlé un peu avec Western Union. Oui. Donc les arnaques sur les sites d'annonces, hein, cette fois. Donc, Mon Dieu, j'ai vu un truc horrible par contre là, et ça m'a empêché de dormir la nuit dernière encore aussi. T'as vu quoi? La dame blanche au Bon Coin. Oh là là. Ah d'accord. T'as vu un monsieur tout nu? Non. Ah zut alors. Tu nous en parleras après? Ouais. Ok. Donc explication sur les sites d'annonces entre particuliers. Donc je vais vous citer quelques sites. Sur eBay, vous savez ce que c'est eBay? Oh oui, plus fort. Oh, site des enchères, Le Bon Coin. Oui, ouais. Connu. Très connu. Viva Street. Alors ça, c'est quoi Viva Street? Ah ben, c'est le même style que Le Bon Coin, en fait, avec des options beaucoup plus poussées, notamment un coin rencontre, hétéro, gay, lesbien, etc., etc. Voilà. Donc, explication. Le principe de base de ces arnaques sur les sites d'annonces. Alors. Oui, c'était à l'époque. Donc, le principe de base de ces arnaques qui sont appelées également des scams. Un scam, ça veut dire ruse en anglais, pour ceux qui savent pas, et de vous convaincre de transférer de l'argent en utilisant des modes de paiement rapides et anonymes. C'est ce qu'on a d'ailleurs le plus souvent, et tu l'as cité tout à l'heure, Western Union. C'est ça. En effet, et contrairement à ce qu'affirment les escrocs, ces types de transferts internationaux sont peu sécurisés et peuvent être encaissés sans grande difficulté. Dans certains pays, il suffit de connaître le nom de l'expéditeur ou d'avoir un complice dans l'agence. Le code secret et le justificatif d'identité ne sont pas systématiquement exigé ou peu fiable. Comme le conseillent les opérateurs eux-mêmes, l'usage de ces modes de transfert est à réserver de proche à proche et jamais une transaction, pour une transaction entre inconnus, d'ailleurs.
Donc Terrain de Chasse, donc je viens de vous le dire, les sites eBay, Le Bon Coin, Viva Street, enfin tous les sites d'annonces sont en particulier. Facebook, on en parlera après, savoir si c'est fiable ou pas aussi les annonces sur Facebook. Donc leurs armes, c'est de voilà le pouvoir de persuasion sans scrupules et anonymat. Ils vous vendent et vous achètent n'importe quoi en se faisant passer pour des vendeurs, pour des acheteurs aussi ou pour des loueurs de biens immobiliers, des organisateurs d'événements, des employeurs, etc. Et pour donner plus de crédibilité à leur scénario ou récupérer vos informations personnelles, ils n'hésitent pas à créer des sites frauduleux, donc des sites de transporteurs, de banques, d'associations caritatives, etc. Ou encore à imiter un courrier et un email officiel comme eBay, PayPal, Banque, Trésor Public, etc. Donc, leurs failles. Donc, est-ce que vous savez comment on peut les détecter, ces arnaqueurs? Je ne vais pas le dire, on l'a fait hier. Alors, on l'a fait hier, mais est-ce que tu t'en souviens? Parce que je l'ai. Il y a déjà l'orthographe, forcément, les fautes d'orthographe, la façon où les phrases sont tournées. Ouais. On va donner des exemples. Vous savez que souvent, vous savez, sur les sites internet, notamment Facebook, on va être obligé d'en parler quand même à un moment ou à un autre, il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous vendre des choses, mais vous parlent d'un français bizarre. Alors, soit il vous dit, moi être content, moi te vouloir vendre machin, avec des fautes d'orthographe à tir à l'arigot, je vous raconte pas. Et, ou alors qu'ils vous disent, je pense que vous êtes tombé là-dessus, on en parlera largement là-dessus aussi, des arnaques de l'amour, hein, on va dire ça comme ça, qui vous disent, moi je suis en voyage dans un pays étranger, je suis là, en fait, le lieu de vente est en France, d'ailleurs, la caravane, c'est ce qui est arrivé. On dit que ça, mais en fait, non, je suis pas en France, je suis en Allemagne. Pourquoi pas, mais c'est un peu bizarre. Vous êtes déjà tombé là-dessus ou pas? Alors moi, je suis tombé dessus pour aide. Pour aide. Pour aide, parce qu'en fait, on utilise Visa Street quand on fait du phoning. Oh la honte. Aide de faire ça, ça me surprend quand même. Hein. C'est une action qu'on fait. Et on cherche sur Erotica pour approcher les prostituées en quelque sorte. Donc après on les appelle pour faire du dépistage Tu m'en as parlé une fois, je m'en souviens, tu m'avais dit que AIDS allait souvent dans des sites de rencontres afin de faire de la prévention. Ouais, je sais que c'est le cas par exemple sur Badou, je crois qu'ils le font. Mais c'est dans le but de faire de la prévention. Donc on propose des préservatifs et tout ça, et même aussi de faire des dépistages gratuits qu'on appelle ça des trods, et assez souvent quand on fait du phoning, les nanas ne parlent pas un mot de français. Et comme tu dis, quand on voit leur descriptif sur internet, c'est un français waouh. Alors, pour détecter ces arnaqueurs, excusez-nous parce qu'on est un peu entre nous en chuchotant aussi. Donc pour détecter ces arnaqueurs, donc il y a 1, la maîtrise du français. C'est ça. Ça vous êtes déjà tombé sur des personnes qui ne maîtrisent pas le français? Ça t'est jamais arrivé sur Facebook encore? Non, jamais. C'est étonnant. Même par mail, ça arrive. Hein, Par mail, oui, mais ça c'est autre chose encore. C'est l'histoire des héritages, ça, par contre. Voilà. Les héritages, vous savez, je vais mourir d'un cancer dans 15 jours. Je vous lègue de 1 million d'euros. Oh, mais voyons. ça arrive souvent, ça. Je vous dis aussi. Hein. Non, mais là-dessus, faut pas exagérer. Il n'y a pas écrit grand naze sur notre front. Déjà, comment ils ont fait? On te demande les documents. Oui, donc pouvez-vous me transmettre votre nom? Donc nom N-O-N. Prénom avec deux N et voilà, enfin ouais, adresse avec je te dis, attends garçon, je veux dire, même mon enfant, mon gamin qui a 9 ans, il sait écrire mieux que ça, quoi, je veux dire. Donc voilà, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on peut aider? Voilà, il y a aussi les réponses qui sont souvent décalées. Voilà, on peut dire ça aussi, on peut les détecter comme ça. Il y a également aussi trop de questions. Voilà, on pose trop de questions, c'est-à-dire que la personne qui vient vers vous vous pose finalement trop de questions personnelles. Ça arrive aussi. Donc on peut les détecter facilement par rapport à ça. Notamment quel âge tu as, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as où est-ce que tu habites, est-ce que si, est-ce que là, et où, à un moment tu te dis, attends, c'est une personne inconnue, en 2 minutes elle te pose des questions et après elle va te dire, alors ça c'est une autre catégorie, et dans 2 minutes elle va te dire, je t'aime, je viens ma chérie, et après on va te dire, le jour d'après, ma mère est malade, peux-tu m'envoyer de l'argent? Ça c'était la grande époque MSN, si vous vous en souvenez aussi. Donc voilà. On en parlera après.
Donc les pièges les plus courants, je vais vous le dire. Donc il y a à la fois en tant qu'acheteur ou à la fois en tant que vendeur. Donc il y a deux catégories. Donc en tant qu'acheteur, l'acheteur exige des copies de différents documents officiels comme la carte d'identité, certificat de non-gage, la carte grise, on en parlera après, qui lui serviront à usurper votre identité lors de ses futures arnaques. Voilà. Ça vous parle maintenant ? Mmh. Est-ce que déjà on exige la carte d'identité ? Est-ce que c'est obligatoire On n'a pas le droit. Tout bien que tu vends, tu n'as pas le droit à demander. Tu recommandes quand même pour une bonne transaction, tu recommandes quand même un petit peu. Moi je l'utilise après hein, sur certaines personnes, voilà. Si c'est une personne que j'ai par internet ou quoi que ce soit. Par internet. S'il y a une transaction à faire, qu'on se donne un point de rendez-vous et tout ça, le jour du point de rendez-vous, je lui demande sa pièce d'identité. Par contre, on est d'accord, aucun papier à communiquer par mail. Ni par Facebook, ni par messagerie instantanée, zéro. Hein. Ça, c'est que sur place. Hein. La seule chose, moi, que j'ai faite, c'était de transmettre par mail une photocopie de carte grise de véhicule. Oh, t'as pas fait ça. Mais j'ai barré toutes mes coordonnées dessus. Ouais. J'ai juste barré parce que la personne avait absolument besoin pour pouvoir faire l'assurance et tout ça. J'ai pas eu de problème. Hein, donc, t'as pas eu de problème, t'as de la chance. C'est quand même risqué. Bah, hein. Après, la personne, elle a été honnête. Bah, moi, je l'ai fait pour la caravane, donc voilà, quoi. Ok, j'ai un souci de casque, si tu peux... C'est bien, je suis content pour toi, moi ça va, le mien va très bien. Voilà, j'entends plus rien, c'est génial, j'ai plus rien, voilà, j'ai un petit peu de retour. En tant que vendeur, maintenant, vous êtes le vendeur, mais il invente différents scénarios afin de vous convaincre au choix. Donc, soit d'envoyer une somme d'argent pour débloquer son paiement ou rembourser le trop perçu qu'il vous a envoyé par erreur, soit d'expédier le bien qu'il vous achète avant que vous encaissiez réellement son paiement. Voilà, comme ça, voilà comment on peut vous arnaquer aussi. Ça vous est arrivé ou pas, ce genre de choses? Non, jamais, non. Faites attention, quoi qu'il en soit, si ça vous arrive, arrêtez, stoppez de suite, hein. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. Laurent? Oui? Qui dit? Ah, j'ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a, Schubert? Dis-moi tout. La truite de Schubert, dis-moi tout. Non? Bon, on en parlera en privé s'il faut. Tout timide. Donc, un scénario, par exemple, de tout ça, il affirme vous avoir transféré par erreur un paiement supérieur à la somme convenant initialement. Pour appuyer sa fable, il vous fait parvenir la copie d'une fausse confirmation bancaire ou un chèque falsifié dont le montant est supérieur à la somme convenue. Bah oui, hein. Bah non. Bah si, hein. Bah non. Bah si, c'est logique. S'il veut t'arnaquer, il est bien obligé de passer par là. Oui. Concernant les chèques falsifiés, ça vous est arrivé, ça? Les chèques falsifiés, chèque en blanc, chèque falsifié, erreur, tout ça, jamais. Les virements bancaires frauduleux, moi oui, ça m'est arrivé. Par contre, chèque falsifié, pas encore. Donc l'arnaqueur s'appuie sur une faille bancaire, c'est-à-dire que la banque met parfois plusieurs jours avant de s'apercevoir que le document est invalide ou le chèque falsifié. Ça c'est normal, ça met 15 jours je crois. Hein. Ouais, entre-temps, cette somme apparaît sur votre compte, mais pour peu de temps, malheureusement, vous avez déjà remboursé le faux trop perçu à votre arnaqueur. Ça t'est arrivé, tu m'en as parlé hier de ça. Oui. Tu m'as dit que c'était trop tard, il fallait que tu rembourses le chèque, en plus derrière. T'es obligé. Bah oui, puisqu'il y a une interdiction bancaire, forcément, qui se retrouve derrière. Donc, voilà, quoi. On entend tout. On entend jusque là, je t'imagine. est-ce que vous avez déjà eu des escroqueries au niveau des offres d'emploi? Non. Non plus, non. Non. Jamais. Non, jamais. Notamment sur les contrats de travail. On peut faire des faux contrats de travail, vous étiez au courant de ça? Oui, bah oui. Ça vous est jamais arrivé ou est-ce que vous avez déjà entendu parler? Non. Donc en fait, pour établir votre contrat de travail, il vous demande des copies de documents officiels. Il vous envoie ensuite un contrat de travail bidon et commence à passer des commandes à votre nom en payant avec le numéro de carte bancaire volé. Ensuite, vous recevez des colis et c'est réacheminé chez vous comme prévu dans le contrat. Bonjour aux oiseaux aussi au passage. Donc en fin de mois, lorsque vous réclamez votre salaire, il vous informe que vous devez payer des frais pour pouvoir encaisser la somme. Vous faites un transfert et le salaire n'arrive jamais. Et quelques semaines plus tard, vous commencez à recevoir les relances de paiement des fournisseurs escroqués, une convocation au commissariat et vous avez par la suite beaucoup d'ennuis. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes responsable du problème. Ce n'est pas le voleur. Comment se décharger du problème? En gros, c'est le vol, et puis après, en usurpant l'identité, ben, c'est la victime qui devient responsable maintenant. Ça, c'est vraiment terrible, ça.
Fight. Alors, les sites de rencontres. Alors, Badou, oh là là. Badou par exemple, grande source de problèmes, et même sur le site de rencontres gay ou n'importe quoi, même mythique, je pense qu'il doit y avoir les mêmes problèmes. Oui, donc, oui. Les fameuses personnes... Voilà, c'est une voiture. C'est une voiture, bon, non, on entend tout. Simple, Donc, par exemple, une personne rencontrée sur Internet est très amoureuse de vous, mais alors d'un coup, en deux minutes, croule sous des tonnes de problèmes. Vous êtes embarqué dans un scénario mélodramatique très compliqué et vous vous démenez pour sortir l'amour de votre vie de situations catastrophiques. Donc, la maladie d'un proche, un décès, problème avec la police, billets d'avion, etc. Donc ça, c'était la grande époque MSN, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mm-hmm. Oui. Aujourd'hui, c'est Facebook maintenant, c'est depuis maintenant aujourd'hui. Donc, qui vous dit, vous êtes, voilà, tu me plais, qui, d'un coup comme ça, sans connaître, tu me plais, j'aimerais bien te connaître, j'aimerais bien sortir avec toi. Enfin, sans connaître, sans savoir qui tu es, n'importe quoi. Donc, en deux minutes chrono, déjà, je t'aime. On sait pas pourquoi, ce qu'on est même pas, on s'est jamais vu, on s'est même pas vu en cam, on s'est pas vu en photo, mais je t'aime quand même. Et, on vous pose plein de questions. Quel âge tu as? Où est-ce que tu habites? Bon, ça encore, c'est normal. Mais après, es-tu tu célibataire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que te font tes parents dans la vie? Est-ce que tu es si? On a des questions, en gros, un CV à faire dans ces genres de choses. Donc, il faut faire très attention, notamment sur Facebook aujourd'hui, sur ces genres de choses. Est-ce que vous recevez, par exemple, des invitations des personnes qui sont d'origine plutôt du Bénin, d'Abidjan, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça m'est déjà arrivé aussi, ouais, une fois, mais je l'ai pas accepté. Vous savez comment on les surnomme, ces personnes? Non. Les brouteurs, c'est ça, c'est ce qu'on appelle. D'accord, les brouteurs. Rien à voir avec les vaches, je rassure, hein, c'est... Ils vont pas brouter de l'herbe, je rassure. Ni autre chose, hein, avant que ça parte, mais ni autre chose. On appelle ça les brouteurs, donc les brouteurs d'Abidjan, les brouteurs, voilà, ce sont du Bénin même. Donc quand vous voyez des personnes qui vous ajoutent en amis sur Facebook et qui sont du Bénin ou d'Abidjan, vous êtes mal barré. Voilà, ils viennent vous brouter, quoi. Ils viennent vous brouter, notamment votre argent, surtout. Ils sont pas là pour vous aimer. Non, ils aiment votre argent, en fait. C'est surtout ça qu'ils aiment. Donc, est-ce que t'as déjà reçu des invitations Facebook louches de ce genre-là? Moi, je sais plus personne. T'invites personne, tu les invites en fait. Ouais, si c'est moi qui j'aime bien leur gueule, ouais. Si t'aimes bien leur gueule, parce que tu juges à la gueule, parce que tu crois qu'en virtuel, à la gueule, tu crois que c'est sympathique. Là, c'est ce qu'on s'appelle avoir de la discrimination indirecte. Oui, mais alors total même, tu vois. Non, mais tu te rends compte que tu juges à la figure sans connaître. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais je prends personne. Moi, je fais. Tu prends personne, mais c'est normal. Je veux dire, je prends ma famille que je connais du côté de mon père et de ma mère. Après, des amis que j'ai en commun, comme toi, comme Yo, voilà. Et encore, en plus, si je me trompe pas, Laurent était dans mes amis, on se connaissait même pas. Je sais pas comment on a fait pour être amis sur Facebook, nous deux. Je sais pas comment on a fait, mais... Mais c'est que la question que Laurent, c'est que Laurent, on lui demande en tant qu'ami, Laurent accepte. Oui. Et une fois, à force d'accepter des gens, Laurent s'est fait pirater son compte Facebook. Ah, c'est ça, exactement, effectivement. Donc il y a ces deux problèmes-là, effectivement. Soit c'est pour pirater ton compte, pour usurper ton identité. Voilà. Soit c'est pour vous prendre votre argent, en quelque sorte, en vous demandant ma mère est malade, elle a un cancer, elle va mourir. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que j'aille en France à l'hôpital pour l'emmener à l'hôpital, je sais pas quoi, parce que j'ai pas d'argent pour l'hôpital, comme par hasard. Hein. Il a de l'argent pour Internet pour nous écrire. Mais il n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital pour emmener sa mère. Mais bon, tout va bien. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet, des messages de prévention, des trucs? Non, je pense qu'il faut faire attention aux personnes qui demandent de rentrer dans un lien d'amitié comme Facebook ou autre, quoi, je veux dire. Bah, d'où, même chose, hein. Voilà, il faut faire super attention, quoi, je veux dire, hein. Si vous connaissez la personne, bon, ben ça va, mais si vous connaissez pas, bon. Le mieux, c'est d'éviter quand même, quoi. Alors, justement, pour éviter toute forme de racisme, parce qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans le racisme en même temps, il faut laisser d'abord voir ce que la personne attend de vous. Ça veut dire que pour éviter de vous faire accuser de racisme, d'antisémitisme, le fait de ou même de discrimination, le but, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne attend de vous. Si vous voyez, il y a deux façons de voir. Soit la personne n'attend de vous que d'être amie, simple, rien de méchant derrière, donc ça va. Soit il vous pose vraiment trop de questions et qu'il vous cherche juste à vous draguer, sans comprendre et sans rien demander. Là, par contre, effectivement, ces personnes-là, vous les rejetez de suite. Par contre, Facebook, même chose, n'acceptez pas des amis comme ça. Comme ça, en claquant des doigts, surveillez bien les profils, les ce qui est dedans, notamment quand ce sont des photos trop récentes, quand c'est des profils trop récents aussi, c'est pas bon, ça.
Donc comment une personne trop récente peut vous ajouter un ami, comment on se connaît en deux minutes en quelque sorte. Soyez prudent face à ça aussi. C'est ça. Super, la prévention de la drogue. Bonjour. Je suis en train d'aspirer. On entend des bruits bizarres derrière là. Alors là, qui n'est pas de parasite. Hein, c'est pas une histoire de parasite, c'est rien. C'est pas le congélateur là. On peut le dire, hein, c'est pas méchant. Parce que là je ça le tolère. Ça vapote. C'est quoi on dit ça? Ça vapote. Ça vapote. Donc c'est du A. Ben, c'est de la cigarette électronique. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Donc tout va bien. Ben, bravo. Ah Charlotte, t'as vu, elle te dit quelque chose. Non, mais ça va, ça passe encore. Même si je suis pas forcément, voilà, je fais attention. Mais bon, ça va, c'est pas à côté de moi. Non, à plus. Et à fond, voilà, vas-y, hein, tu tires, là. Puis vas-y, tu mets de bon cœur, hein. Non, parce qu'on entend le bruit. Pas à fond, hein. Non, parce qu'on entend le bruit au casque, c'est impressionnant. Oh, hein. Ça tire, hein, quand même. Excusez-moi. Alors, quoi qu'il en soit, faut faire oui. Non, vas-y, je l'ai pas. Ah, tu veux voir ce que ça donne au casque? Vas-y, fais-le maintenant. Tu vas voir comment. Vas-y, tu vas voir le truc. Tu l'entends? Tu l'as entendu. Donc, puis alors, vas-y, hein. Tu mets de bon cœur. Bon, on en parlera tout à l'heure de la drogue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau d'Internet, donc faites attention à ne pas tomber dans les pièges de l'amour, en quelque sorte. Si on vous drague en deux minutes, et notamment sur des profils qui sont trop récents, qui datent de deux minutes d'existence, faites attention à ça aussi. Surveillez bien les profils, avant d'accepter une personne. Ça aussi, c'est un petit conseil que je vous donne. Dès que vous voyez marqué Bénin et Abidjan, ça sent pas bon déjà. Je vous le dis. Après, il faut faire attention, il faut être malin, il faut faire attention selon les questions qu'on vous pose, et bien c'est là qu'on peut détecter les arnaqueurs aussi. Autre chose à rajouter? Non. Non. Dans le même principe, il y a le cyberchantage. Est-ce que vous savez ce que c'est que cyberchantage? Cyber, c'est quoi déjà? Qu'est-ce que cyber? Internet, non? C'est Internet, le chantage par Internet. Eh oui. Donc, après les histoires romantiques destinées à vous convaincre d'envoyer un mandat international, voici donc une variante hard. Je vais vous donner. Premièrement, une discussion amicale s'engage et l'inconnu vous fait parler de votre situation familiale, votre adresse, celle de vos proches, votre situation professionnelle, vos amis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez un compte de type Facebook, tous vos contacts seront mémorisés, malheureusement. J'ai oublié de vous le dire. Je sais pas si vous étiez au courant. Deuxième point, cette personne insiste pour avoir une discussion par webcam. Le fameux chantage par webcam. Donc, pour avoir une discussion par webcam et vous incite à avoir un comportement impudique devant la caméra. Du genre, d'après vous? Ben, pudique, ça veut dire montrer sa poitrine. C'est ça, des trucs sexuels, en quelque sorte, de montrer son pénis, ses seins, etc. Et malheureusement, derrière votre dos, il vous filme à votre insu. Et après, d'après vous, quelle est la troisième étape dans ce problème-là? On arrive au chantage. Donc, c'est qu'après, il diffuse les vidéos, non? C'est-à-dire que, et c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on reçoit des menaces. Si on ne donne pas une certaine somme d'argent, ben, il a publié, quoi. On reçoit des menaces de certains faux policiers. C'est des faux policiers, hein, ce ne sont pas des vrais. Hein. Vous menaçant d'envoyer les images capturées sur YouTube et à vos amis, collègues, familles, connaissances, si vous ne payez pas la somme. Ça veut dire que, en échange de supprimer la vidéo, vous devez de l'argent. Sympa, hein? Ouais. Sous contrainte d'avoir une menace de faux policiers et que ça sera diffusé sur YouTube, par exemple. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein? Et ça existe. Ouais. Tout à fait. Et comment lutter contre ça? Ah ben ça. Oui, mais on a eu une petite réaction hier. L'envoyer à la famille. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Ils savent qu'on est homosexuel. Vous avez rien à cacher. Bon, c'est vrai que c'est dégueulasse voir ce qu'on fait dans les caméras. Bon, c'est sûr que c'est honteux. Mais franchement, qu'est-ce qu'on a à cacher de notre sexualité, hein? À moins que. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus gênant si par contre il y a une personne qui, par exemple, est mariée. Dans ce sens-là, qui fait quelque chose ailleurs. Là, par contre, c'est beaucoup plus embêtant. Ouais. Si une personne est mariée. Après, quand t'es célibataire, t'as rien à approcher. Non, quand t'es célibataire, c'est pas pareil. Bon, quand t'es marié. Ça, c'est plus dur, ouais. Tu as une vie de famille derrière aussi. Des enfants, ouais, voilà. C'est ça, effectivement, ouais. Ça, c'est plus dur, peut-être, comme histoire. T'inquiète pas, je te surveille l'heure, hein. Je sais que tu vas. Ah, non, mais je sais. Je te libère dans un quart d'heure, t'inquiète pas. Donc, le chantage par webcam. Donc, je vais donner d'autres exemples. Je voulais me dire si vous connaissez ou pas. Donc les offres anormalement alléchantes, on en a parlé tout à l'heure, notamment sur les pour les sites d'occasion. Quand par exemple on se fait avoir une maison
Une maison, 40 000. On en parle tout à l'heure, peut-être, à la limite de ça. Ça sera plus simple. C'est bien une maison. Les faux emails de PayPal. Alors, les faux emails que vous recevez, ça, on n'en a pas parlé. Vous savez, les faux emails de vos opérateurs téléphoniques, une facture, vous savez même pas d'où ça sort. Par exemple, vous êtes chez SFR, puis vous recevez une facture téléphonique de Free. Alors, t'es pas chez Free, par exemple, tu reçois une facture. Vous nous devez la somme de 29 euros. Première nouvelle, t'es même pas chez Free. En plus, c'est tout ça. Alors, comment détecter ça? C'est que déjà, on en a parlé hier. C'est que souvent, les administrations, déjà, notamment la CAF, nous réclameront pas, quoi qu'il en soit, des certaines choses. Hein. Yonel qui met de passe, c'est génial aujourd'hui. Par rapport à hier, t'étais bien. Il dort, Yonel. Je vais plus avoir de voix ce soir, en fait. Je continue. Voilà, les faux emails de PayPal, par exemple. PayPal, c'est le service bancaire par ligne. Le service bancaire en ligne, c'est-à-dire que vous payez par carte bancaire en ligne. Ça, c'est un peu compliqué. Et c'est soi-disant sécurisé. J'ai déjà essayé et franchement, j'ai pas du tout aimé. De quoi, PayPal? Ouais. Ah, PayPal, c'est ce qu'on s'en sert. Il y a pas de problème, PayPal, hein. On vous demande des documents exprès pour... Moi, je l'utilise très rarement, de toute façon, puisque maintenant, du fait que j'ai mon e-carte, donc c'est encore mieux. Donc, voilà, quoi, je veux dire. Mais bon, après, moi, j'ai trouvé ça assez fiable, quoi, quand même. Western Union, c'est quoi, alors? Parce que tu m'en as parlé. C'est comme si que t'envoyais de l'argent, donc c'est-à-dire on te transmet un chèque et tu renvoies du liquide, quoi, hein, je veux dire. Hein, c'est un service bancaire... qui coûte, ça coûte pas cher, hein, je veux dire, hein, parce que n'importe quelle somme que tu peux envoyer, ça, tu payes des frais, c'est vachement infime, quoi. Alors après, les faux numéros de téléphone, ou numéros qui commencent par 004, 00225, 00229. Alors 00229, si je ne me trompe pas, c'est le Bénin, hein, si je me souviens bien de ça. Ces genres de, si vous tombez sur ces numéros, zappez de suite, bloquez de suite si vous pouvez. Ça serait bien. Comme ça, au moins, vous éviterez tout problème. Les accents incompatibles avec la nationalité annoncée, donc pas de discrimination, mais malgré tout, c'est les profils d'arnaqueurs qu'il faut quand même dénoncer. Les métiers valorisants et au-dessus de tout soupçon, donc curé, notaire, diplomate, avocat, chercheur. Curé, je savais pas que c'était... Même moi, je comprends pas, que je savais pas qu'il fallait être curé, je savais pas que curé était... C'est vrai que faut le faire pour dire quel est votre métier, curé, hein. Bon, ok, ouais. Pourquoi pas, hein. Avocat et chercheur, on s'en rend, oui, voilà. Il y a aussi autre chose, des policiers, des avocats, des banquiers, des douaniers, des notaires qui utilisent des adresses de messagerie gratuites, du genre Hotmail, Yahoo, La Poste, Gmail. Mais vous avez déjà vu des mails si professionnels? Si tu tombes sur police-national@gmail.com... C'est un problème, oui. Voilà. Ou alors caf@yahoo.fr, il y a un problème aussi, hein. Oui, carrément, parce que c'est pas comme ça, quoi. Voilà, c'est genre de, quand ce sont des sites, des emails gratuits, et que ce sont des administrations qui vous transmettent des mails sous ces genres de mails, c'est mal barré, hein. Faut vous appeler de suite, hein. Mettre en spam aussi de suite, c'est-à-dire déclarer en indésirable, parce que sinon on est mal barré. Il faut se fier aux mails professionnels. Qu'est-ce que les mails professionnels? Par exemple, allez, je vous donne un exemple. Les .org. Non, mais même les .com. Les .com, non, c'est pas facile. Il faudrait que ça soit le nom du site suivi de .com, voilà. Tout ça. Par exemple, contact@. Pour Aids, c'est quoi, par exemple, Charlotte? C'est .org. Contact@aids.org. Ouais. Ça, c'est fiable. C'est pas un site gratuit. C'est propre à Aids, par exemple. Par exemple, s'il y avait aids@hotmail.fr. Non. Ça serait un peu embêtant. Ça, c'est hein. Pas, ouais. Nous, par exemple, c'est vrai qu'on ne cache pas, nous, on a Gmail. Oui, parce nous, Gmail. On a des mails professionnels, nous aussi, hein, avec le site. Mais on se sert de Gmail pour, mais ça ne veut pas dire qu'on est des arnaqueurs, hein, je rassure, hein. C'est que l'adresse de votre association qui est sur .org. C'est ça. Après vos mails respectifs, c'est Gmail. Gmail. Voilà, ouais. Les adresses de contact, c'est uniquement sur Gmail. Mais ouais. Gmail, il y a une façon sécurisée aussi pour détecter tout à fait. Les professionnels après, et les arnaqueurs. Il suffit de bien paramétrer sa boîte mail et puis voilà quoi. Et Outlook aussi, c'est gratuit. Outlook, oui, c'est Hotmail. C'est Hotmail, ça, oui. D'accord. C'est anciennement Hotmail. Non, c'est nouvellement Hotmail. Hotmail, c'est l'ancien. Outlook, c'est le nouveau. Oui, c'est ce que je veux dire. Outlook, c'est le nouveau Hotmail, oui. D'accord.
Alors, autre chose qu'on peut détecter, c'est que le vendeur est toujours pressé de faire la transaction. C'est ça. Ça, c'est ce que Lionel est arrivé il n'y a pas longtemps. Gap, bonjour. Ah, oui, après, bon, là, comme je t'ai déjà dit hier, je sais pas si je peux vraiment considérer ça comme une arnaque. Après, c'est vrai que quand t'es trop pressé d'avoir du liquide. Bah, disons que, dans le sens où on s'était mis d'accord, je pense que la personne, elle n'a pas apprécié quand je lui ai dit, écoutez, moi, 1000 euros pour les mettre en place, je peux pas les avoir en une journée. Donc, voilà, je lui avais simplement demandé un délai de 2-3 jours. Bon, la personne a dit, ouais, non, c'est... Bah, écoute, va te faire taire, quoi. Je veux dire, je vais être gentil, mais bon, voilà. Ensuite, trop de justifications données sans raison apparente. Mm-hmm. On en parlera tout à l'heure, parce que trop d'informations tue l'information, notamment au niveau des sites de vente. La réception d'un paiement supérieur à celui convenu et demande le remboursement du trop perçu. Voilà. Ah oui, la fameuse intervention d'un tiers de confiance. Alors là... Ça c'est pas mal. Au lieu d'un vendeur, vous avez affaire à un tiers de personne. Oui, je viens de la part de monsieur parce qu'il peut pas se déplacer. Ouais, c'est ça. Soit ce qui se fait passer, soit pour un avocat, un douanier, un notaire. D'ailleurs, ça c'est encore plus louche. Un expert aussi. C'est ça. Alors ça, ce genre de choses. Bon, y en a qui se faisaient bien passer pour des gendarmes. Hein. Mm. Ah, encore mieux. Sur les autoroutes, hein, donc. Ah oui. Bah, tu te rappelles pas de cette affaire qu'il y avait eu, là, passé un temps, là, sur les autoroutes? Non, je me rappelle pas. Il y en a qui se faisaient passer pour des gendarmes, qui faisaient des contrôles routiers et tout ça, puis c'était pour mettre à paillole les gens, voilà, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple encore? Vous posez des questions, mais il répond toujours à côté. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous posez des questions pertinentes, mais il détourne vos questions en répondant à des trucs bizarres, hein. Ouais. D'ailleurs, les emails d'arnaque sont préformatés car la plupart de ces escrocs parlent très mal le français, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mmh. Ensuite, on vous réclame la copie de nombreux documents officiels, notamment pour l'aider à usurper votre identité, bien en quelque sûr, sorte. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas envoyer par mail vos documents. Très important. Ni sur les messageries instantanées comme Skype ou Facebook. Ensuite, par exemple aussi, vous recevez un email imitant un courrier officiel d'une banque, d'un marchand en ligne, par exemple eBay. Voilà, qui vous demande d'aller confirmer vos informations personnelles. Donc, les banques ne contactent pas leurs clients pour leur demander de fournir des informations sensibles comme les mots de passe ou les identifiants en ligne. Ne donnez jamais vos identifiants et vos mots de passe par mail, ni par messagerie, ni par téléphone, ni rien du tout. Gardez en privé et, si nécessaire, changez votre mot de passe si vous sentez que vous êtes arnaqué. Très important de le dire. Mmh. N'est-ce pas, Angélique ? Hein ? N'est-ce pas ? 1, 2... Tout va bien. Et vous ne parvenez, autre exemple, vous ne parvenez jamais à joindre votre interlocuteur quand vous le souhaitez. C'est toujours lui ou elle qui vous appelle. C'est ça. Ça aussi, c'est un peu louche, hein, à force. Hein. Voilà. Donc les modes de paiement évités, j'en ai plein. Là, t'as vu, j'en ai 4 milliards là. Western Union en 1, forcément. Alert Pay, AnyPay. Qu'est-ce que je peux donner? Bill Pay, Bill Point, e-compte, e-gold, e-hot pay. C'est bizarre ça. E-passport, fast cash, Google Checkout. Ça, par contre, c'est étonnant. Gcash, JerPay, Gold Money, MoneyGram. PayPay, voilà, tous ces sites que je viens de citer, ce sont des modes de paiement à éviter, qui vont vous bouffer votre argent et votre compte. C'est ça qu'il faut faire très attention. En cas de doute, par rapport à ça, au moindre doute, il faut laisser tomber la transaction de suite. Ne cherchez pas à comprendre tout de suite, vous laissez tomber la transaction. Et si vous souhaitez malgré tout poursuivre en justice tout ça, alors plusieurs choses. Un, vous tentez de vérifier l'identité de votre interlocuteur en le contactant vous-même pour savoir si c'est bien cette personne qui vous a contacté ou quelqu'un qui se sert de son identité. Il faut d'ailleurs chercher ses coordonnées réelles, si possible, sur l'annuaire. Ce serait bien. Deuxièmement, il faut refuser toute vente ou achat payé via Western Union, c'est ce qu'on vient de dire. Troisième point, il faut faire des recherches sur Google, avec les noms utilisés, les emails utilisés, des fragments de phrases, pour voir s'il existe des similitudes avec d'autres arnaques. D'ailleurs, aussi consulter les sites d'arnaque. Il y a des sites anti-arnaques, si vous préférez, qui détectent et qui diffusent les arnaqueurs. Consultez aussi ces sites, c'est très important. Et il faut faire aussi des recherches. Alors ça, je t'ai posé la question hier, mais tu connais pas. C'est oaxbuster.com. Je connais pas. Ouais. Alors, je pense que c'est un site qui détecte les escrocs, je pense. Voilà. Non. Voilà. Ouh. Je suis plus un escroc, moi. Ouais. Oh. Ah non. Oh, Angélique. Oh, tu vois, tu te dévoiles petit à petit. Toi, prends le PC, toi. Hein. En direct. Je veux du direct. Chiche. Mais vous que c'est pas toi qui la prends ce soir. Ah oui. Ben, ce qu'on va faire, on va libérer Angélique et Laurent.
Parce que ouais. Voilà, un enfant à aller chercher à l'école. Et surtout une réunion. Et une réunion. On va avoir de pas s'arracher. Bonne réunion, hein. On va avoir de pas trop s'arracher les cheveux. Mais non. Bon, c'était comment votre première expérience? Franchement, j'ai bien aimé. Bah bon, évidemment, hein. Faut être honnête, c'est votre première, vous savez pas trop quoi dire, vous savez pas comment ça fonctionne. Vous savez pas... Est-ce que vous avez envie de revenir? Oui. Ce que je vous propose. Non, ouais. Non, dites non. Alors, ce que je vous propose, je vous demander un truc. Ce que je vous propose, d'ailleurs, Charlotte, je connais ça, c'est que vous allez proposer vous-même votre sujet. Vous allez pas, c'est moi qui anime la radio, je te rassure, c'est pas toi qui va animer la radio. Ah. C'est moi qui animera. Mais par contre, ça sera votre propre sujet parce qu'il faudrait que ça soit des sujets auxquels vous êtes bien concernés et auxquels vous sentez, vous avez besoin d'en parler. Et, promis, on le fera. Ça y est, je sais moi ce que c'est. Allez, vas-y, donne-moi un exemple. Les parents qui sont inconscients d'ouvrir un compte Facebook à leur gamin. On en a parlé largement avec les points d'internet, ça. On en a parlé largement. Tu vas en parler vite fait de ce que t'en penses? Moi, je trouve ça, inconscient, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, de mettre la propre photo d'un enfant sur Facebook pour lui ouvrir son compte, qu'on ne demande pas l'avis non plus à des parents quand il y a séparation, et qu'avec tout ce, les pédophilies, les trucs comme ça, c'est vite fait, un enfant est vite fait, vite remarqué par tout ça. Et c'est là où il y a, moi je dis, le risque plus d'enlèvement qu'autre chose. Je suis tombée sur, ça m'a choqué, malheureusement c'est la réalité. C'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que franchement c'est une horreur. Ça concerne les animaux. Est-ce que tu sais qu'il y a une polémique qui a eu sur ça, justement, sur le Bon Coin, qu'on ne peut plus mettre des dons ou des ventes d'animaux? Est-ce que ça peut se faire encore sur Facebook, ça? Ça peut se faire sur Facebook, mais à moins faire attention, parce qu'en fait, il y a un réseau qui a été démantelé, que quand il y a des gens qui donnent des chatons ou des chiots, il y a certaines personnes qui les achètent ou qui les prend pour donner à bouffer aux pitons. Ah, mais c'est les souris, ça, plutôt, non? Non, les chatons? Non, les chatons et des chiots. Ah, mais c'est horrible, ça. Donc, les chers amis qui ont des pitons, la prochaine fois que vous faites ça, je vous jure que je vous fais bouffer votre piton. Waouh. Ça, écoute, moi, ça m'a... J'ai vu une photo, bon, c'est juste une photo. J'en étais curé. En plus, j'étais en réunion à ce moment-là, donc pour être, justement, c'était samedi. J'ai vu la photo, ça m'a vraiment écœuré, j'en ai pensé toute la journée. On va peut-être m'appeler Brigitte Bardot, mais voilà. Non, mais t'as raison. J'adore les animaux, mais une cruauté comme ça, c'est, je trouve ça, mais j'ai pas le mot, quoi. Franchement, moi, ça m'avait choqué. T'as bien. Donc je trouve que même déjà d'avoir des animaux tels que des pitons, des serpents, des trucs comme ça, ça devait être interdit en France. T'as bien fait de le dénoncer parce que ça c'est quelque chose d'horrible et ça se fait encore aujourd'hui. Le réseau était démantelé donc là on n'a plus le droit. C'est pour ça que il y avait un gros danger sur les chatons et les chiots. Les chiots, ouais. Donc je voulais faire un petit RIP pour le chaton qui est mort, qui s'est fait bouffer par le python, parce que franchement je trouve ça indéniable, c'est dégueulasse comme je sais pas quoi, c'était le coup de gueule que je voulais passer, parce que franchement ça fait deux jours que j'arrive pas à dormir, parce que je pensais à cette image. Malheureusement ça existe encore, de la cruauté envers les animaux. Pour les personnes qui ont des pitons, d'accord, c'est un animal comme tout le monde, mais il faut aussi respecter un truc, c'est que je suis d'accord pour les souris, tout ça, je suis d'accord. Mais donner à bouffer des chatons et des chiots, je suis désolé. Donc comme ça, au moins, le coup de gueule est passé. Et t'as bien fait. Voilà. Et t'as très, très, très bien fait parce que ça fait du bien. Je me sens mieux parce que franchement, je trouve ça mais horrible, horrible. Je sais pas où on est à l'affaire d'ailleurs, si les mecs, les personnes se sont fait inculper ou pas. Pas du tout envie de savoir parce que franchement, j'ai pas du tout envie de tomber sur les photos. Et ça s'est passé où, ça, en France ou ailleurs? Je pense que c'est passé en France. Ah bah si c'est en France, c'est grave, je vous le dis franchement. Si ça c'est en France, on va prendre le sujet. Alors parce que... pour les personnes qui ont des chats et des chatons, donnez-les à des personnes de confiance à ce moment-là. Ne pas les mettre sur les réseaux sociaux parce que voilà ce qu'on peut en faire. Malheureusement, ça existe encore après la fourrure des chats et des chiens. Quand les kidnappent pour leur fourrure en Suisse et partout dans le monde, on a aussi ce phénomène-là. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des chatons à donner, donnez-les à des gens de confiance ou à la SPA, mais pas sur les sites comme ça.
Alors du genre quoi, des sites, tu veux dire Le Bon Coin et Facebook? Ouais, Le Bon Coin, Facebook, Viva Street et tout ça. Ne le faites pas. Donnez-les plutôt à la SPA, dans des refuges, des trucs comme ça, mais pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc ça c'est dit, ça s'est fait aucun trafic voilà. d'animaux en particulier dans les sites particuliers en quelque sorte. Voilà, parce que ça peut faire un trafic après et voilà ce qu'on en fait. Très bien. Au moins le message est passé. Merci. Bien. Et ben au contraire, ça c'est très, ça, je vais pas dire que c'est sympa, c'est plutôt très intéressant à l'apprendre ça. Mais c'est, t'as très bien fait d'en avoir parlé. Ça c'est, en fait, c'est quelqu'un, c'est un ami à moi qui a posté ça sur Facebook et j'ai même pas osé le partager tellement que moi ça m'a pris au cœur. Et parce que j'adore les animaux et voilà. Mais donc, je tenais vraiment quand aujourd'hui ce matin tu m'en as dit que on faisait sur l'arnaque et tout de suite j'ai pensé à ça et je voulais donner mon coup de gueule. Bah de toute façon donc, voilà, on prend note de ce coup de gueule et on va essayer de faire une enquête enfin du mieux qu'on peut et selon ce qu'on trouve. Alors si ça se passe en France là le coup de gueule va être très sévère, je vous le dis franchement. Ouais, et par contre amis auditeurs, si vous les photos ne sont pas si choquantes que ça parce que bon c'est qu'une photo, enfin voilà, mais on sait très bien la souffrance du chat. Donc si vous trouvez des photos sur Facebook et tout ça, si vous voyez ces informations là, ne divulguez pas tout ça sur Facebook parce que ça peut heurter des gens. Moi qui suis sensible, voilà, ça peut heurter des gens, ça peut leur mettre des images dans la tronche pendant plusieurs jours à ne pas pouvoir dormir et voilà. Très bien. Donc poursuivons maintenant le sujet. Est-ce que c'est bien, hein, c'est très bien, Charlotte. Franchement, bravo, merci. C'est très. Bah écoute, c'est normal. Continuons les sujets. Est-ce que vous trouvez que les Wi-Fi publics sont dangereux? Alors moi, le truc avec les Wi-Fi publics, c'est que je n'arrive jamais à me connecter quand il y a un Wi-Fi public. Ah, ils me demandent toujours une clé, un truc comme ça. Les identifiants, tu veux dire? Mais quand par exemple, ce sont des Wi-Fi publics accessibles dans les restaurants, dans les hôtels. Comme McDo, par exemple. Comme McDo, histoire de faire une marque. Ou alors, vous avez des hôtels Formule 1, si vous voulez, comme ça, on en fait une autre marque. Plus sérieusement, dans ces genres de... Oui, dans le domaine public. Il y a les gares aussi. Moi, je pense que c'est fiable, parce que c'est vrai que quand tu veux te connecter et que après, ça te coûte un peu du cul parce que tu te connectes hors connexion et que ça te fait un trou énorme dans ton budget téléphonique, je pense que c'est quand même bien les Wi-Fi publics. Ah, parce qu'on dit que ces accès publics sont généralement vulnérables en raison d'un faible niveau de sécurité. Possible. C'est possible, ouais. Moi, je me suis plusieurs fois connecté. Je connais qu'il y a des gens qui vont exprès pour ça, mais dans des lieux publics comme ça, parce qu'il y a un Wi-Fi public. Moi, je me suis déjà connecté plusieurs fois, j'ai mes problèmes. Alors par rapport, pourquoi ça serait pourquoi il y a une faille de sécurité? Parce qu'on dit que des utilisateurs malveillants peuvent notamment exploiter ces failles pour intercepter les communications, notamment les identifiants de connexion à des messageries électroniques, les mots de passe, le numéro de carte bancaire, l'historique de navigation internet, etc., transitant par ces points d'accès Wi-Fi malheureusement. Donc il est également très facile pour des pirates informatiques de créer des vrais faux réseaux Wi-Fi, usurpant le nom d'une enseigne reconnue, accessible gratuitement et sans mot de passe. Cette manœuvre leur permet de récupérer des informations techniques sur les systèmes, ainsi que de nombreuses données personnelles et sensibles, facilitant de nouvelles intrusions informatiques. Voilà où est le problème. Est-ce que ça vous étiez au courant? Est-ce que vous en doutez un petit peu? Lionel fait un oui, mais il me dit... Oui, non, bah bien sûr, en sachant que quand on le voit, sur les connexions Wi-Fi, quand tu te connectes en Wi-Fi, par exemple, avec ton ordinateur, quand il t'affiche toute la série de connexions possibles, inimaginables, ça dépend où tu te trouves, tu vois le niveau de sécurité qu'il y a au niveau de la connexion, et principalement les réseaux Wi-Fi publics sont pas du tout, voire très peu sécurisés, quoi, je veux dire, hein, donc... automatiquement, ça laisse le champ libre à des personnes mal intentionnées. Alors quelques petites préventions pour réduire les risques de vol de données sensibles d'une connexion à Wi-Fi public. Donc voilà ce qui est recommandé. Un, premièrement, il faut privilégier des connexions cellulaires en 3G et 4G, que ce soit en France et à l'étranger pour des usages professionnels, même personnels, hein, on peut dire aussi. Il faut utiliser obligatoirement aussi un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN ? C'est une sécurité. C'est une sécurité de connexion, en fait. C'est comme un brouilleur, en fait, qui te permet de brouiller tes données pour éviter qu'elles soient reprises. Moi, j'ai une question parce qu'on me l'a demandé la dernière fois quand j'étais au local de Aide.
Quand tu fais une partage internet aussi, est-ce que c'est risqué? Est-ce quand tu fais un partage internet sur ton téléphone? Oui. Ah bien sûr, c'est dangereux, bien sûr. Ah oui, quand tu fais des partages, même des partages de connexion entre ordinateurs. Ça aussi, c'est dangereux. D'accord. Pour piquer tes données, oui, largement. Puis, quand toi, tu fais du partage d'ordinateur à ordinateur, il y a ce qu'on appelle un groupe résidentiel. Ce groupe résidentiel, généralement, c'est l'hôte. Donc, l'hôte, c'est l'ordinateur maître qui a ce code d'accès. Avec ce code d'accès, ça te permet de protéger donc le groupe résidentiel, donc toutes les personnes qui ont accès à toutes ces données. À défaut de ça, il faut lors de la connexion, quand on demande de partager quels sont les genres de fichiers que tu veux partager, les musiques, les dossiers, etc. Les documents. Voilà, il faut décocher ce que tu ne souhaites pas qu'il soit partagé. Moi, par exemple, sur tous mes PC, je ne partage pas les documents. Et Media Center, par exemple. C'est dangereux ou pas? Je sais pas, je l'utilise pas, donc. Parce que c'est un partage aussi de connexion Media Center. Hein, mais moi, je l'utilise pas. La seule chose que je partage, c'est des images, mais c'est un dossier bien précis. C'est uniquement là où il y a les images de Windows, les photos de Windows toutes pourries là, les fonds d'écran, quoi. Voilà, c'est la seule chose que je partage parce que tout le reste après c'est confidentiel, quoi, de toute façon. Donc. Alors, je continue. Donc, comme j'ai dit, il faut utiliser obligatoirement un VPN en cas d'utilisation d'un point d'accès du Wi-Fi public. Ensuite, il faut désactiver le mode Wi-Fi quand il n'est pas utilisé. Ça veut dire que, par exemple, sur votre téléphone portable, dès que vous n'êtes plus connecté en Wi-Fi, vous le désactivez de suite dans vos paramètres. C'est ça. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et pour les ordinateurs? C'est pareil, c'est la même chose. Hein. Généralement, après, sur les ordinateurs, c'est rare que tu te mettes en Wi-Fi public, ou alors c'est parce que t'es à des endroits où tu ne peux pas faire autrement. Mm-hmm. Bon, après, généralement, une fois que t'as fait ta navigation, bah tu coupes et puis voilà quoi, tu coupes la connexion et puis basta quoi. Ensuite, il faut mettre à jour régulièrement le système d'exploitation, Windows, on parle, notamment les paramètres de sécurité, c'est très important. Ouais. Également les navigateurs internet et ses extensions, son antivirus, si vous en possédez, et puis il faut faire attention aussi à quels antivirus vous possédez d'ailleurs, et aussi les logiciels comme Adobe Reader et Flash. En parlant des antivirus, évitez du genre Norton, Avast. Les malwares, c'est fiable ou pas? Malware, moi j'ai jamais eu de problème avec malware, justement. J'ai trouvé que ça alourdit un peu plus, mais je trouve que c'est efficace. C'est assez efficace, ouais. D'accord, donc recommandé. Ouais. Ensuite, il faut privilégier les sites internet sécurisés. Tu sais ce que c'est, ça, Charlotte? Oui, quand il y a l'espèce de cadenas. C'est ça. L'écran. Donc les fameux HTTPS, donc un S en plus. C'est une extension à installer sur les navigateurs internet tels que HTTPS Anywhere, qui permet également d'automatiser le passage de certains sites internet en HTTPS tout simplement. Donc en cas de doute, après avoir été connecté à un Wi-Fi public, il faut changer, quoi qu'il en soit, rapidement les mots de passe des applications, que ce soit vos messageries électroniques, vos réseaux sociaux, vos comptes bancaires, très importants, et aussi vos espaces de stockage en ligne. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous avez le moindre doute, changez tout de suite vos mots de passe. Dans tous les trucs, même dans toutes les applications s'il le faut aussi. Et que vous êtes les applications que vous utilisez le plus souvent d'ailleurs. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Quelque chose à rajouter? Non, après voilà quoi, être très vigilant sur le type de connexion sur laquelle on va se mettre, notamment ben voilà comme on l'a dit hein, sur les wifi publics, faire attention aussi parce que sur internet il circule des codes, mm-hmm. des codes wifi publics, certains codes peuvent être plus ou moins vrais ou plus ou moins faux, tout dépend, mais ça peut être des chevals de Troie quoi hein, tout simplement quoi, cheval de Troie qui plombe votre ordinateur, qui ralentit votre ordinateur, voire même le détériorer définitivement quoi. Donc faut faire attention à ça. Alors continuons aussi au niveau des domaines d'internet. Qu'est-ce que le phishing? Alors je rassure, c'est pas le poisson, non, parce que fiche fiche, F-I-S-H, c'est de filet au fiche, hein, le fiche ça veut dire poisson, mais sauf que là c'est P-H-I-S-H-I-N-G, qu'on appelle en anglais le hameçonnage, voilà comment ça s'appelle. Donc le phishing, c'est une arnaque consistant à envoyer un mail vous demandant de communiquer d'urgence des données personnelles, comme votre mot de passe, votre numéro de compte bancaire ou tout simplement de carte bleue. Donc les organismes dont on usurpe l'identité peuvent être soit votre banque, soit une banque même quelconque, soit un fournisseur d'accès, notamment sous forme de facture,
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, soit une compagnie d'électricité ou de téléphone, ou tout simplement une administration, notamment la CAF, qui est malheureusement victime de ça aussi, voilà, qui vous demande des données personnelles, alors que par rapport à ça, d'une part, il faut être vigilant et ne jamais répondre à ce type d'email, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il faut le supprimer tout de suite dès que vous voyez ça. Il ne faut pas non plus cliquer sur le lien proposé et il faut détruire ce mail des réceptions, quoi qu'il en soit. Donc, il faut mettre en indésirable et détruire tout de suite. Et attention aussi par rapport à ça, c'est que jamais votre banque, votre fournisseur d'accès ou d'autres organismes ne vous enverront de mail pour vous demander des informations confidentielles. Ça, c'est très important à le dire aussi. T'étais au courant, ça, Charlotte, ou pas? Tu en reçois de ces genres de mails, des phishing? Oui, mais moi, je mets toujours en spam. Mais le problème, c'est qu'ils changent toujours de mail pour en envoyer d'autres. Hein, ouais, mais moi, en général, je regarde assez souvent, mes mails, et dès que je vois un truc qui m'intéresse pas, je les vire, quoi. Est-ce que, Lionel, tu en reçois encore toujours? Ah oui, moi j'ai... Tu as eu récemment encore des factures de Free, par exemple? Oui, j'ai eu Free, j'ai même eu un document d'SFR. Mm-hmm. Alors, ce qui a été assez marrant, c'est quand j'ai reçu le courrier d'SFR, quand tu prends une facture SFR, donc originale, hein, que tu reçois, et le document là, il y a toujours un code barre. Et ce code barre est propre à ton identifiant, etc., etc. Mmh. Or, quand moi j'ai reçu ce document-là, le code barre était invraisemblable de toute façon, et puis il ne correspondait pas du tout à mes données personnelles, quoi. Donc, du coup, c'est un dossier qui est parti aux oubliettes. Alors, deuxième type de mail qu'il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle les scams. Alors ça, c'est un nouveau terme récent que je connaissais pas. Peut-être que tu connaissais pas non plus ce terme, Charlotte. Un scam, c'est un mail inconnu. Tout simplement. Donc, par exemple, vous recevez un mail d'un inconnu vous proposant une transaction financière. Il vous parle d'une forte somme d'argent qu'il ne peut débloquer qu'avec votre aide et vous propose un pourcentage. Mais auparavant, vous devrez lui avancer de l'argent pour ses frais. Par rapport à ça, il faut ni répondre, ni envoyer aucun argent, rien du tout, que dalle, que nenni, parce que c'est une arnaque. Et attention aussi là-dessus, parce qu'il ne faut rien faire non plus. Si vous recevez un email vous informant que vous venez de gagner ou hériter d'une forte somme d'argent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, vous le supprimez de suite. Ça s'appelle des scams. C'est tout. C'est un nom que je connaissais pas avant. Non, moi non plus, j'ai jamais, comme je te l'ai dit, je connaissais pas du tout, hein, mis à part les spams. Alors, bah, bien sûr, on connaissait les mails quand on reçoit des héritages, tout ça, on savait. Par contre, on ne connaissait pas le terme de scam. On connaissait spam. Mais scam, non, première fois que j'en entends parler, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à ces mails, supprimer tout de suite, voire peut-être à la limite signaler aussi, carrément. N'hésitez pas à signaler aussi toutes ces parce que ça aussi, il faut quand même le rappeler. Toute arnaque est à signaler aussi, soit à la police, il faut pas l'hésiter, sur Internet, soit sur les sites d'arnaque appropriés, les associations anti-arnaque. N'hésitez pas à les signaler, c'est très important. Notamment pour la suite. Concernant aussi les sites de vente douteux, c'est-à-dire un autre type d'arnaque sur Internet. Donc, pour repérer les sites de vente douteux, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, il faut vous méfier des offres trop alléchantes et des prix trop bas. On en parlera de toute façon avec les logements, juste après. Ensuite, il faut privilégier un site hébergé en France, ou du moins sur lequel on trouve facilement les coordonnées de l'entreprise. Ça, par contre, on avait dit qu'on n'était pas tellement d'accord. Ou alors, attention aux sites très récents. Qu'est-ce que t'avais, on avait dit, les pauvres, les nouveaux entrepreneurs qui arrivent là. Voilà. Ça, c'est plus embêtant pour eux, arnaque par arnaque, comment se fier? On s'est dit, voilà, il faut, pour repérer un bon vendeur, faut voir son numéro ciré, savoir s'il existe au niveau, des chambres de commerce, si je me trompe pas. Au niveau des chambres de commerce, s'il est déclaré, s'il a un compagnon numéro ciré, si la bonne adresse est bonne, faut regarder les annuaires, faut regarder plein de choses pour savoir si les sites ou les vendeurs sont qui viennent d'arriver très récemment sont fiables. En fait, c'est ça, en fait. Et aussi, il faut faire une recherche sur le nom du site de vente pour trouver des commentaires. Notamment sur des forums, notamment. Savoir s'il n'y a pas des, notamment sur les avis, sur les commentaires. Savoir s'il y a de l'arnaque ou si le site est fiable. Faut faire attention aussi sur les forums, de discussion. Si oui ou non, ce nom de site est fiable ou pas fiable, si c'est une arnaque ou pas une arnaque. En gros, c'est ça. Ça va, Charlotte, qui ne dit plus rien. Quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Donc, je continue. Alors, comment détecter les faux profils? D'après toi, Charlotte, comment tu détectes les faux profils?
Bah, en fait, on a beaucoup en ce moment sur Facebook qui sont piratés. Alors, revenons sur Facebook. Ça tombe très bien que tu dis ça. Alors, parce que c'est souvent Facebook, excuse-moi, je tape un peu, je bouge un peu la bougeotte. Est-ce que tu, d'après toi, comment t'arrives à les détecter sur Facebook, les faux profils? Moi, j'ai une de mes collègues qui s'était fait pirater. En fait, ils ont piqué sa photo de profil, donc ils se sont fait passer par elle. Mm-hmm. Et en fait, lors d'une conversation, une qui s'était fait insulter aussi, comme ça, avec la photo de profil de ma collègue. Alors, ça tombe très bien. C'est la première, le premier motif. Donc, pour détecter un faux profil, il faut vérifier si la photo de profil n'a pas été copiée-collée depuis Internet en utilisant les fonctions de recherche inversées par image de Google Images ou même Tinye. T-I-N-E-Y-E. Pour ça, ça c'est dit, ça c'est fait. Comment ça tu peux le savoir qu'une une photo a été copiée? Ben imaginons que tu l'as, par exemple, alors ça c'est pas évident, si ta photo est unique par exemple, ouais, que tu l'as fait dans un seul site, ça peut arriver, tu peux mettre ta photo sur un seul site et que tu n'as jamais mis nulle part ailleurs et que tu le trouves ailleurs, et ben là tu peux te dire qu'il y a un faux profil. D'accord. C'est un exemple. Si ta photo est dans un seul site, ça c'est plus facile à détecter. En revanche, si tu mets dans plusieurs sites, eh ben tu regardes si les sites auxquels il y a tes photos, si tu es bien inscrit sur ces sites. Par contre, si par exemple les photos sur Google Images, tu le vois sur des sites auxquels t'as jamais été inscrit, là par contre il faut que tu te poses des questions. D'accord. C'est un exemple. Et en fait, il y a deux manières. De toute façon, pour vérifier. Soit, faut que tu vérifies les sites auxquels tu as, si tu as été inscrit ou pas sur ces sites. Et deuxièmement, si ta photo est unique et que tu le vois ailleurs, là, c'est louche, aussi. Mmh. Voilà, si je peux me permettre. Ensuite, il faut vérifier si la description du profil n'a pas été dupliquée depuis un autre compte en effectuant une recherche partielle sur un moteur de recherche. Ça, c'est fiable, ça. On peut le voir, enfin moi je me suis amusé à m'auto-pirater. T'es auto-piraté, c'est pas mal, ça. Je l'ai fait un peu pour voir un petit peu le fonctionnement, surtout au niveau de Facebook, quoi. Ça reste assez simple, quoi. Le truc qu'il y a, c'est que il suffit de taper le nom et le prénom de la personne dans Google, on tombe automatiquement sur le profil Facebook, principalement. Ça pose problème parce qu'on n'est pas unique au niveau prénom et des noms. C'est ça. Bah après, il faut faire attention à la photo qui est. Donc, même mettre des petits copyrights ou des trucs comme ça, ça sert. Ça peut servir peut-être, mais voilà, le problème c'est qu'on a des homonymes, hein, ça veut dire que tout le monde, on n'est pas unique avec nos pronoms. Tout le monde s'appelle pas Michel, hein, donc. Non, tout le monde s'appelle peut-être pas Michel, mais beaucoup portent ton nom et ton prénom et réellement en plus, et dans la vraie vie. T'es pas le seul à t'appeler, excuse-moi, Lionepi, tu t'appelles, t'es pas le seul. Il y en a plein, je te confirme. Donc voilà. Et puis, qui n'ont pas ta photo. Non, c'est sûr. Une fois, on m'a confondu avec un médecin, donc, voilà. Pourquoi pas? Ouais, parce que j'avais pas mis la photo, donc, mais vous êtes tout bib, j'ai vu sur internet, vous aviez un cabinet de... Ah. Non, je suis pas médecin, non. Ah oui, première nouvelle. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Bon, c'était marrant, mais bon, voilà, quoi. C'est pas mal, ça. Alors, il faut vérifier si la personne existe vraiment en recoupant les informations disponibles avec des recherches sur Internet avec ses noms, prénoms et entreprises. Alors, ça, c'est chiant. Parce que là, si tu tombes vraiment sur un nom et un prénom et le même... C'est faire un travail d'un enquêteur, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Donc, c'est faire du regroupement, tout simplement. Et il faut vérifier si le parcours étudiant et professionnel du profil suspect semble cohérent, notamment sur leur date, les fonctions exercées et leur ville. Alors, ça, c'est pas évident. C'est sûr que s'il a 15 ans et qu'il est marqué ingénieur en électrochimie, machin, il y a un problème, quoi. Alors, 70 ans, je suis en primaire, pourquoi pas, je veux bien, enfin, c'est un exemple. Ah, j'ai eu mon bac à sable à 70 ans. Ah oui, d'accord. Alors. Quoi qu'il en soit, je vais faire les règles d'or à respecter sur Internet. Premièrement, changer régulièrement de mot de passe. Est-ce que vous le faites souvent, ça? Non. Oui. Alors, oui et non. Tous les combien de temps, Charlotte? Avant, je le faisais une fois par an. Maintenant, je le fais deux fois. Deux fois, tous les 6 mois, alors? Ouais. D'accord. Et toi, Lionel, non, tu me dis. Pourquoi? Aucun intérêt d'après tout pour toi? Non, c'est pas forcément ça. C'est surtout au niveau mot de passe, quoi. Je bug. Après, au niveau des mots de passe, je les perds tout le temps, donc du coup, j'en ai un seul et unique. Et à force de changer de mot de passe, t'es complètement perdu. C'est ça. Lequel c'est ça. Ça t'est arrivé il y a pas longtemps. Oui, c'est ça. Donc et ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Donc, enfin voilà quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, tu sais plus s'il faut mettre 3, 4, 5, 6 ou 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, @3, 4. Enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est donc moi je trouve ça chiant quoi. Je veux dire, quand on soit obligé de
pour des imbéciles en plus, hein, de changer les mots de passe, tout ça, alors que... Alors, deuxième règle d'or, on l'a dit, mais je le répète, aucune autorité judiciaire ne possède d'adresse mail gratuite de type Hotmail, Yahoo et Gmail. Ça, c'est très important. Troisième règle, il faut ne divulguer pas d'informations personnelles sur Internet. Prenez le temps de sécuriser vos comptes ainsi que ceux de vos enfants. Ne rendez pas visibles vos contacts sur Facebook. Malheureusement, les pirates ont quand même accès, n'est-ce pas Charlotte, si on en cite un en particulier, qu'on a connu il y a l'année dernière notamment, qui grâce à un logiciel de piratage a accès aux amis même si tu les bloques, qui a accès à tes infos personnelles même si tu les mets en confidentiel. D'ailleurs, je le remercie. Parce que? Non, bah ironiquement parce que il m'a bien fait chier pendant à peu près bien 15 jours, hein. T'as de la chance, ça a duré que 15 jours, toi. T'as eu de la chance. Hein. Ça, même un peu plus, je pense que grâce à cette personne aussi, ça a pimenté mon burn-out suite à mon accident. Mm-hmm. Donc ça en fait partie aussi. Ah, c'est vrai. Voilà, je le remercie par rapport à ça. Et puis, bah, de bien avoir fait chier, de me faire bien humilier par les flics aussi. Ça, j'ai bien apprécié. S'il continue comme ça, j'ai toutes les cartes en main pour le coincer. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Voilà. Nous aussi, d'ailleurs, également. Ou se calmer, hein, je te dis, je sais pas qu'on prend combien de temps, mais il s'est calmé, faut être honnête, ça fait depuis un... Mais l'intérêt de continuer à se calmer, parce que franchement, là, s'il continue, bah, ça va chier. Oula, voilà. Attention, là, il faut être au garde à vous, là. Général Charlotte, attention, là, falloir être au garde à vous. L'année dernière, au mois de juillet, de se faire humilier comme je sais pas quoi devant les flics d'Annecy, ça fait pas forcément plaisir. Non, hein. C'est sûr. Ils prennent pas du tout au sérieux ni rien. C'est clair. Voilà, ça donnait pas envie d'aller danser sur le lac, ça, c'est sûr. Puis nous-mêmes, c'est pareil, on nous a pas pris au sérieux qu'on avait porté plainte pour usurpation d'identité. Ça se passe sur Internet, on peut rien faire. Enfin bref, quoi. Passons au suivant, ça sera plus simple. ça évitera de nous mettre sur les nerfs. Alors, quatrième règle d'or, partez toujours de l'adresse HTTPS, donc de sécurité, donc officielle et habituelle, pour vous connecter à votre compte bancaire, à votre messagerie ou autres réseaux sociaux. Donc HTTPS officiel, très important. Cinquième règle d'or, ne versez jamais d'argent par mandat cash ou par Western Union à une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontré physiquement. Il faut quand même être tarte pour payer par mandat cash une personne qu'on ne connaît pas quand même. Mandat cash, déjà liquide, déjà je comprends pas qu'on paye par liquide à des gens qu'on ne connaît pas, mais alors, mandat cash, il faut quand même le faire. Déjà mandat cash, est-ce que ça prouve qu'on paye à une personne, ça prouve quelque chose de mandat cash, ça a une valeur légale ou pas? Je sais pas si c'est une valeur légale, je sais pas. Je pense pas, moi, personnellement, je crois pas. Western Union, bon, on n'en parle pas, tu en as parlé, je crois. Sixième règle d'or. Votre souris d'ordinateur n'est pas une baguette magique. Elle n'a pas le pouvoir de transformer un bien de valeur et un bien bon marché. Méfiez-vous de trop bonnes affaires, tout simplement. Septième règle d'or. Ne cédez jamais à la précipitation. Les bases d'une transaction sont les mêmes dans la réalité et sur Internet. Une annonce trop alléchante cache souvent une arnaque. Il suffit de vous renseigner et de comparer les prix ainsi que les produits avant d'acheter. Tout simplement. Concernant le huitième point sur les achats d'animaux. On y revient. Il faut cesser tout contact. Si votre interlocuteur vous demande de l'argent sous prétexte de frais vétérinaires, de maladies ou de transport. On m'a parlé des transports, il n'y a pas longtemps, notamment en Afrique, il me semble, tout à l'heure. Donc, quand vous voyez ça, arrêtez tout contact tout de suite. Neuvième point, il n'y a pas de profil type de victime. Personne n'est à l'abri sur Internet. Il est important de toujours se remettre en question. Les escrocs jouent sur votre confiance excessive en nos capacités. Et enfin, dixième règle d'or, lors d'une transaction avec un professionnel hébergé sur le net, il faut toujours lire les CGV. Qu'est-ce que les CGV ? Conditions générales de vente. C'est pas les CGU, mais CGV. Oui. Hein. CGV, voilà, avant de valider votre paiement. Ça veut dire, lisez bien les modes, voilà, les CGV avant de valider votre paiement. C'est très, 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 très important. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce qu'on a fini au niveau d'Internet. À part tout ce bruitage dehors qui est pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Moi, non. Est-ce que tout est dit? Tout est dit. Est-ce que vous avez un coup de gueule à passer? Moi, c'est fait. Ça, c'est fait au niveau des animaux. Est-ce que Lionel a un coup de gueule à passer aussi? Non, après, bon, ben voilà, quoi. Faut surtout être prudent et puis, voilà, pas se laisser envahir par l'excitation d'un achat qui paraît trop simple, quoi. Alors,
Changeons de sujet. Allez, on va faire du tout au tout. On va passer au logement maintenant. Logement proprement dit, pas les arnaques sur Internet. Mais je vais vous donner des annonces et vous allez me dire s'il y a un problème ou pas un problème de ce qu'on va dire. Charlotte notamment, parce que je sais que Lionel connaît un peu les réponses par rapport à hier, mais ouais. On va voir si tu vas les détecter. Donc, je vais te donner trois exemples d'annonces frauduleuses. Tu vas me dire qu'est-ce qui ne va pas pour toi. D'accord. Premier exemple. Je loue mon appartement T4 à une personne de bonne moralité, me promettant de bien l'entretenir, car je loue cette maison pour cause de son entretien et non pour l'argent. Bel appartement lumineux T4 en duplex, comprenant entrée spacieuse, double séjour, trois chambres, cuisine équipée, deux WC, salle de bain, deux dressings et un rangement, avec un beau cellier, box de voiture, un grand balcon, donnant sur parc vif privatif clos, ainsi qu'un chauffage individuel au gaz et avec une installation neuve en plus au niveau du chauffage. Qu'est-ce que t'en penses de cette annonce ? Moi, je ne l'aurais pas que pour du pour du ménage. Il n'y a pas quelque chose qui te frappe. Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a déjà plusieurs erreurs. On y réfléchit. Il y a déjà des erreurs parce qu'il manque des informations. On l'a un peu détecté hier. Déjà, il n'y a pas la surface. Il n'y a pas le prix non plus du logement, si je ne me trompe pas. Et quand tu vois marqué, promettant de bien entretenir, car je loue cette maison pour cause de son entretien et non pour l'argent. Il n'y a pas un truc qui cloche dans un, est-ce qu'on doit franchement dire un truc pareil dans une annonce? Non, je promets de bien entretenir, mais pas pour l'argent, attention, hein. Non? Ouais, non. Puis je trouve qu'il y a trop de trucs pour un T4, c'est ce que j'ai dit hier, pour un T4, je trouve qu'il y a tellement de choses bizarres. Deux WC, salle de bain, deux dressings, un rangement, un beau cellier, deux box de voiture, je trouve qu'il y a tellement de choses pour un T4. Et c'est peut-être en duplex, d'accord, mais je trouve que pour un T4, dis donc, il y en a des choses, hein. C'est un peu louche quand même à force. On est d'accord? Oui. Bon, tu veux que je te donne un deuxième exemple, ça ira peut-être plus vite. Ouais, vas-y. Alors, deuxième exemple, joli appartement T3, 66 mètres carrés, bien d'exception, idéalement récente, en 2009, fermé avec piscine, visiophone, calme, pièce exposée, sud, donnant sur terrasse, hall d'entrée et chambre pour, avec placard muraux intégré, salle de bain équipée avec baignoire meuble, double vasque et chauffe-serviette, cuisine moderne équipée semi-ouverte sur salon, 126 mètres carrés de terrasse jardin privatif aménagé, store extérieur, petit potager, garage fermé en sous-sol. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque sur celui-là? Le prix, il est où? Il n'y a pas de prix, ça c'est déjà le problème. Ensuite? C'est beaucoup pour une annonce. Bon, il faut dire qu'apparemment, elle serait récent. L'appartement serait récent, c'est ce qu'il vient de dire. Mais après, voilà, quoi. Bah, t'as pas de prix, t'as rien, quoi, donc tu peux pas savoir. Mm-hmm. Puis 126 mètres carrés de terrasse, jardin privatif pour un T3 de 66 mètres carrés, oui, bon, je voudrais bien, mais avec un petit potager, bon, pourquoi, c'est peut-être un appartement. Ah oui, non, mais attends, Lionel, on n'a pas vu ça. Oui, un appartement T3 avec un jardin privatif. Et sur combien d'étages? Je viens de me rendre compte que en fait, on l'a même pas détecté ça hier, en fait. 126 mètres carrés de terrasse, jardin privatif avec dans un appartement T3, dans un appartement. Ah, le jardin est dans l'appart. Ouais, c'est un peu. Pourquoi pas? Je veux bien, hein, mais il y a un petit problème hein, là aussi, hein, si je peux me permettre. D'accord. Alors attends, parce que là, Lionel, tu dis rien parce que tu connais la réponse sur le troisième, parce que t'as trouvé de suite. Alors troisième exemple, écoute bien le détail, c'est quand même pas mal. Vente maison Rennes Centre, style 1930, 45 000 €, une maison de ville, 5 pièces à vendre, avec un agréable jardin de plus de 300 m², sans aucun vis-à-vis. Confortable pièce de vie d'environ 36 m², 3 chambres, cuisine équipée, idéale pour une vie de famille. Alors là c'est radical là. Là il y a un gros problème. Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui te choque là? Il y avait 5 pièces à un moment donné, il y avait 3 chambres. Alors c'est pas là le problème, c'est pas dans le nombre de pièces. Déjà, explique-moi, on est dans une ville, dans une grande ville au centre. Tu me suis? Ouais. Il n'y a pas de vis-à-vis. Et il n'y a pas de vis-à-vis. Donc je veux bien, hein, mais je veux bien comprendre certaines choses, mais avec un agréable jardin quand même de plus de 300 m² en centre-ville de Rennes. Hein. Donc à Rennes centre, un agréable jardin de plus de 300 m² sans aucun vis-à-vis. Ça, quand ah même, oui, c'est en plus 300 m², ouais, sans vis-à-vis, ouais. Et on y croit. Hein,
à Rennes centre quoi. Non mais je veux bien hein, c'est comme si qu'à Bordeaux centre dans les quinconces, il y a pas de vis-à-vis, t'as juste tous les regarde là où tu étais à Bordeaux, ton appartement, il y avait pas de vis-à-vis. Ah non, il y a pas de vis-à-vis, il y a rien, mais il y a pas d'immeuble en face, il y a rien. C'est juste ouvre la fenêtre, t'es chez le voisin, mais bon, tout va bien quoi. Donc voilà, c'était des petits exemples qu'il faut faire attention, voilà, des petits détails. Quels sont d'abord pour vous les conseils, voilà, quand on lit les annonces de logement, quelles sont pour vous les informations nécessaires pour vous, pour que ça soit une bonne, quelles sont pour vous les bonnes annonces? Bah, déjà de marquer le prix. Alors, pour vous, il vous faut quoi dans l'annonce? Le prix, après. Mettre des photos. Alors, photos, c'est vrai qu'on n'a pas, mais ça, on peut pas le savoir. Après, alors le prix, les photos, ensuite. Le DPE. Qu'est-ce que le DPE? C'est la dépense énergétique du logement. Ah oui, ça va, si c'est A+, voilà, c'est ça. D'accord. Après, l'inventaire des pièces, oui. Voilà, quand les charges aussi. Bah oui. Voilà. Mais ce qui me surprend, par contre, il n'y a aucune annonce auquel on parle d'état. Vous savez, les pièces, on dit pas en bon état. Est-ce que c'est à notamment, parce que ça aussi, on en a parlé hier, faire très attention aussi qu'il n'y ait pas de vis caché. C'est ça. Ouais. Très important, notamment au niveau des ventes. Alors ça, c'est au niveau des ventes, faire très attention avant d'acheter un logement. Quand vous êtes acheteur, faites très attention aux vis cachées. Notamment quand il y a des peintures bizarres, des récentes. Regardez bien, c'est derrière les peintures. Des peintures qui viennent juste d'être faites ou qui ont les joints. Et donc voilà, les joints, les prises. Les murs. Est-ce qu'il n'y a pas de trous? Les tapisseries, voilà, on peut vérifier aussi. Ouais, mais dès qu'il y a un appartement qui nous plaît, par exemple de visu, comme on dit. Ouais. Visuel sur internet, la première chose à faire, c'est aussi de le visiter. Et après, si vous voyez toutes les conneries qu'il y a. Et si vous êtes locataire, alors vous attendez quoi en tant que locataire dans les annonces? Bonne question, parce que moi je le suis plus depuis un petit moment en tant que locataire. Moi, si j'étais locataire, moi, ce qui m'intéressait, c'était la surface de l'appartement. C'est tout. Pas le prix. Ouais. Si, bah après, je sais pas comment. Enfin, moi j'étais locataire pendant 9 mois. Mmh. Et puis bon, moi c'était mon proprio était excuse-moi, un vieux. Donc, il m'embêtait pas par rapport au prix. Est-ce que quand tu loues un appartement, tu peux discuter de la location? Ah bah bien sûr que tu peux discuter. Mais après, c'est la signature du bail que c'est clos. En parlant de ça, oui. Signature du bail justement. Quand on signe un bail. À quel moment il faut signer un bail? Est-ce qu'il faut signer un bail par internet? Non. Est-ce qu'il faut signer un bail est-ce que ça se fait par téléphone? Non, ça se fait en direct, quoi qu'il en soit, la signature. C'est un papier qui est officiel, mm-hmm, que tu signes en présence de ton propriétaire. Est-ce que vous versez un acompte au propriétaire avant la signature du bail? Non, après. Toujours après. Et quand c'est une agence? Oh, j'en sais rien, parce que moi je suis jamais passé par agence. On va en parler des agences vite fait, mais pour l'instant on va faire en particulier. Toujours attendre la signature du bail avant de payer le loyer, on est d'accord? C'est ça. Donc ouais. Le premier loyer est à verser uniquement. La caution et le mois de loyer sont à verser à la signature du bail. Et pas avant. C'est pas passé à un mois de loyer maintenant? Si, c'est ça, oui. Alors maintenant, voilà, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont tendance à vouloir jouer là-dessus. Il faut savoir que les 3 mois de loyer, c'est fini. Hein. C'est un mois de caution et un mois de loyer. Il y a une nouvelle loi qui est passée effectivement l'année dernière par rapport à ce sujet. Voilà. Effectivement, c'est un mois de loyer, un mois de préavis. Un mois de caution pour un mois de loyer. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire attention? Il faut faire attention aux annonces trop alléchantes. Oui, voilà. Oui. Et puis faire aussi attention au niveau des états des lieux, voilà, que il manque rien, que tout soit bien signalé, la moindre fissure, la moindre, enfin. Si jamais il y a la moindre fissure, est-ce qu'il faut signer le bail? Ah bah du moment où si le propriétaire il est au courant et qu'il dit bon ben voilà, là il y a une fissure, bon. On peut rien y faire parce que bon, selon comment c'est placé ou comment elle est faite, bon voilà quoi. Je veux dire après. Par exemple. Soit signalé sur le bail, enfin sur l'état. Faut que ça soit dans l'état des lieux d'abord, en premier, ouais. Ça c'est très important. Ensuite, il faut rappeler qu'il y a une obligation du bailleur, c'est que le bailleur est censé, et ça c'est marqué dans le bail, quand vous lisez bien votre bail, le bailleur a l'obligation de vous louer un logement décent à votre arrivée.
C'est ça. Donc ça veut dire que vous ne rentrez pas à votre logement tant que votre logement n'est pas décent, c'est-à-dire avec tout au niveau conforme, que ce soit au niveau d'électricité, au niveau des sanitaires, au niveau douche, au niveau... Ça c'est très très important. Ouais. Ça c'est et s'il y a le moindre chose, il faut le signaler à l'état des lieux, c'est très important et le propriétaire a l'obligation de le faire de toute façon. Et à la moindre chose, n'hésitez pas à faire des photos, ça serait bien. On sait jamais. Moi, à chaque fois quand j'ai loué ou même quand j'ai acheté mon appart, à chaque fois la première semaine que quand j'habitais dedans, il y a toujours une merde. Quand j'ai loué mon appartement, mon ancien appartement, c'était le cumulus qui avait merdé. Voilà, donc bon, mon propriétaire était quand même gentil et tout ça, donc il a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Mmh. Mais à chaque fois, t'es sûr que j'avais une grosse merde la première semaine il n'avait pas le choix, donc. Par rapport aux agences maintenant, les agences immobilières qui vous offrent des locations. Alors là aussi, j'en ai parlé hier hein, de ça vite fait. C'est que il y a des bonnes agences, notamment celui que j'ai eu actuellement là, qui m'a pas du tout arnaqué. Ce qui était bien en plus, j'ai pas payé tout de suite. J'ai payé à la signature du bail. En plus, je m'en souviens très bien. J'ai fait un chèque à l'agence à la signature du bail. Ça c'était génial. Par contre, il y a d'autres agences immobilières qui sont bizarres. Qu'il faut faire très attention, c'est quand on vous demande de payer tout de suite, un contrat, et qui vous garantissent en fait un logement. En fait, ils vous disent vous payez, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes sûr d'avoir un logement. En fait, la réalité en est autrement, c'est qu'au lieu de vous garantir un logement, en fait, on vous garantit des listes de logements. Ça veut dire que vous n'avez aucune garantie de que ces logements sont à vous, enfin que vous allez louer un logement, parce qu'en fait ça dépend pas des agents immobiliers, ça dépend du propriétaire. Donc les agents immobiliers n'ont aucun pouvoir finalement de vous louer quoi que ce soit. En fait, ils vous donnent que des listes. Et pour 180 € pour 180 € uniquement pour avoir des listes, excusez-moi, ça fait mal là. C'est ce qu'on a eu à Bordeaux par exemple. Ça c'est, enfin, faites très attention aux agents immobiliers. S'ils vous proposent des listes, oubliez tout de suite. C'est pas bon pour vous et vous êtes pas sûr d'avoir un logement. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Vous étiez au courant de ça ou pas? Non. Vous n'étiez pas au courant de ces formes d'agence? Alors je me rappelle plus du nom, hein. Je dis franchement, je me souviens plus du nom. Mais il y a des agents immobiliers qu'il faut se méfier. Puis il faut savoir que quand tu as affaire à une agence immobilière, que tu vas déposer un dossier pour un appartement X ou Y, l'agence immobilière va rentrer en contact avec le propriétaire pour dire voilà, écoutez, nous on a une personne ou un couple qui serait intéressé par votre logement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes pas OK? C'est vraiment aussi le propriétaire qui a aussi le dernier mot sur l'acceptation de la location ou pas. C'est ça. Donc le problème, c'est que vous n'avez aucune garantie. L'agence sert uniquement là pour encaisser les loyers et puis pour faciliter la tâche. Et des commissions. Voilà. Pour faciliter la tâche au propriétaire, quoi. Si le propriétaire n'est pas dans le coin ou des trucs comme ça, quoi. Mais sans aucune garantie. Alors, quand vous payez 180 € de votre poche pour rien, ça fait mal. Alors, autre catégorie, c'est, alors on l'a pas fait hier, ça par contre, c'est sur les locations saisonnières. Donc, quand vous partez en vacances, par exemple. Donc je vais faire rapide, il faut quelques conseils. Premièrement, il faut méfier comme toujours comme partout des tarifs trop alléchants. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il faut tout simplement mener votre enquête en cas d'arnaque, si vous trouvez qu'il y a une arnaque avant de vous lancer par exemple à payer 2000 €, je sais pas ce que c'était ça. Je sais pas. 2000 €, je sais pas ce que c'est. Il y a eu un bruit bizarre. 2000 € pour des vacances au lieu de payer ça, parce que des fois vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Vous pouvez imaginer des photos, parce que tu parlais des photos tout à l'heure, Charlotte. Mmh. T'imagines par exemple sur le Bon Coin, tu tombes sur une offre de location saisonnière ou je sais pas, même de camping, hein, pourquoi pas, que tu tombes sur des photos avec des super piscines, avec des super chambres et tout ça. Tu arrives sur place, t'as déjà payé tes 2000 € par exemple, hein, t'as déjà payé tant d'assommes. Tu arrives sur place et déception, la chambre avec des taches, l'hygiène crade, t'as pas de piscine, tu te retrouves avec de l'herbe partout. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de ces affaires, ce genre de choses. Ouais, c'est déjà passé à la télé, ça, déjà. Voilà, sans aucun doute. Ouais. Ça se discute aussi. Ça discute aussi. Mais tout est possible, hein. Ouais. C'est ton choix, hein. Ben oui, mais bon, hein. Donc,
donc comme par rapport à ça, donc faut mener son enquête, savoir si c'est fiable, si ces annonces ne sont pas des arnaques. Faut savoir combien ça coûte aussi. Ah, ça c'est clair. Parce que donc il faut mener son enquête parce que la majorité des sites spécialisés ou d'annonces de particuliers ne vérifient pas l'identité de leurs annonceurs et ne bénéficient pas d'une plateforme de paiement sécurisée. Ça c'est très important de le dire. Il faut s'assurer au préalable des coordonnées réelles du bailleur, que ce soit le téléphone, l'adresse postale, l'email. Donc il faut vraiment mener son enquête, savoir si l'agence de location est fiable et ben voilà, dans tous les sens du terme, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, il faut vérifier la e-réputation du site. Alors, quand on dit e-réputation, c'est sur les forums et les avis. Savoir si c'est fiable, si c'est bien, si c'est... vous savez, les notations, là. Mm-hmm. Quand, notation 18 sur 20, c'est pareil pour les restaurants, par exemple. Hein. C'est ça. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, faut surfer sur les forums et les sites de défense de consommateurs pour vous renseigner si des arnaques ont déjà été récemment signalées. Ça, c'est très important à le dire aussi. Vous allez sur Google pour ça. Il faut identifier le loueur professionnel. Pour savoir si vous avez bien affaire à un professionnel de l'immobilier ou autre chose. Ensuite, il faut être vigilant sur les arts ou à compte demandé. Donc, un grand classique, parce qu'il y en a qui demandent des versements par mandat cash. Voilà, sous prétexte que le propriétaire est à l'étranger. Ça, on revient sur le classique. Il faut éviter aussi tout paiement à l'étranger, surtout si le bien loué se situe en France. Donc, pas la peine de verser l'intégralité de la somme non plus. Le montant des arts ou à compte est généralement de l'ordre de 30% du montant total du séjour. Ça, c'est très bien, c'est très important de le dire. Autre chose, il faut exiger un contrat de location écrit. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le loueur doit remettre un bail écrit au locataire grâce à l'arrêté numéro 25305 du 16 mai 1967. Ça, il date pas d'aujourd'hui, celui-là. Il est rédigé en double exemplaire et signé par les deux parties. Il doit comporter un descriptif des lieux, donc la surface, le nombre de pièces, les dépendances, les équipements, ainsi que les dates de la location et le prix, et ainsi que le montant des charges. C'est pareil pour les campings, hein. Quand c'est on y réfléchit, ouais, hein. C'est exactement la même chose. Quand tu demandes des devis, t'as souvent ça qui sort. Moi, généralement, oui. Enfin, tous les devis que j'ai demandés, là, j'en entends encore un. Mm-hmm. Généralement, oui, j'ai ce qu'il faut, puisque on me donne même la taxe par personne par séjour. On doit faire confiance à des devis. Bah, un devis, ça reste un devis, quoi. Je veux dire. Hein, ouais, mais donc, n'importe qui, toi aussi, n'importe qui peut faire un devis. Je peux te créer un devis, bien sûr. Donc on peut vraiment se fier à un devis Après, enfin voilà, généralement moi je vais sur le site d'abord, donc je regarde les tarifs, et si le devis que j'ai demandé correspond au tarif que j'ai vu, bon, il n'y a pas de... Ensuite, il faut faire l'état des lieux, voilà, de détailler, avec soin et en présence du bailleur, si possible, c'est très important. Et ensuite, il faut se défendre en cas de problème, alors je vais le préciser, parce que si le logement n'est pas conforme au descriptif ou révèle des vices non signalés. Donc là, on y revient un petit peu au logement en général. Donc si ça, on peut se défendre tout simplement grâce à l'article L121-1 du Code de la consommation qui prévoit des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses. Si le propriétaire ne veut pas rembourser les locataires ou consentir à baisser le montant de la location, faites-lui part de votre désaccord en lui adressant une lettre recommandée avec avis de réception. Très important à le dire aussi. Voilà, ça fait quand même pas mal de prévention sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au niveau des logements en général? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser encore? On a parlé, voilà, des vices cachés. On a parlé de faire attention aux signatures du bail. Comment détecter les faux propriétaires? C'est pas facile, ça. Non, c'est sûr. Bah après, n'importe qui peut être propriétaire, hein. C'est pas marqué sur le front de la personne non plus. Bon, c'est sûr que si vous tombez sur un jeune de 18 ans qui vous dit, Et pourquoi pas? Ouais, ça peut être un héritage. Oui, ça peut être un héritage, mais bon, généralement, ça reste rare quand même. Généralement, quand tu as affaire à un héritage, tu le fais plus par agence ou des trucs comme ça. Principalement, il y en a beaucoup qui font ça maintenant, qui passent beaucoup par les agences. Mm-hmm. Justement, parce qu'ils ont pas envie de s'emmerder avec la paperasse et tout le bordel, quoi. Donc, pour détecter les faux propriétaires, c'est quoi? C'est au niveau du look Non, après, le look, non, je pense pas. Hein. Moi, j'ai eu des propriétaires, voilà, hein, j'ai eu des personnes qui avaient 60 balais. Un propriétaire qui est, par exemple, qui touche le RSA, c'est bizarre. Hein, oui, voilà, c'est sûr que si vous dites « Ah ouais, je suis au chômage, je touche le RSA, et t'es propriétaire de 3 maisons. » Okay. Là, par contre, ça va être dur, hein, quand même. Voilà, quoi. C'est impossible, ça, je pense. Non, ou alors, c'est qu'il a gagné au loto, mais c'est pas possible, quoi. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Sujet suivant. Charlotte, t'as quelque chose à rajouter au niveau du sujet du logement? Non. Non, rien.
Non, bah non, parce que moi je suis pas passé par la case comment Mais t'es quoi, t'es locataire ou t'es propriétaire? Ouais, propriétaire. Moi je suis propriétaire. Ah, j'étais pas au courant. Attends, t'as ton propre appartement en fait. Oui. Alors on continue. On change de catégorie, on va sur les voitures d'occasion maintenant. Ouais. Mmh. Alors, voiture d'occasion, qu'est-ce qu'il faut obligatoirement pour acheter une voiture? Quels sont les papiers nécessaires pour acheter une voiture? Qu'est-ce qu'il faut? Avoir le permis déjà. Oui, déjà. Tant qu'à faire, oui, il faut le permis. Mais par contre, parce que je sais que c'est ce que t'as, on va peut-être parler, pas forcément parler de voiture, mais on va parler d'un véhicule au pire. Mmh. En général, toi, tu veux à tout prix une carte grise. Ah oui. Alors, pourquoi? Parce que moi, je tiens absolument à ce que la carte grise déjà soit à jour. Donc c'est-à-dire au nom du propriétaire qui vend le véhicule, parce que il y en a beaucoup qui disent ah ouais je vends un véhicule, il y a deux cartes grises à faire, donc ça veut dire que toi t'as acheté le véhicule déjà à une personne, t'as roulé pendant un certain nombre de temps avec sans refaire la carte grise, mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il faut faire la carte grise de l'ancien propriétaire à toi, mm-hmm. Et de toi à moi, donc mais, ça donc fait deux temps, carte grise, donc mm-hmm. Ça fait une carte grise c'est minimum 190 €. Ça fait cher, quoi, la carte grise. Donc, même si le véhicule coûte 800 €, 190 €, tout véhicule? Minimum. Moi, de tous les véhicules que j'ai pu faire, les cartes grises, j'en ai eu pour 190 €. Oh. Donc, c'est pour combien, il dure combien de temps, à vie? Ah, bah, c'est à vie. Ah, d'accord. La carte grise, c'est à vie jusqu'à temps que tu revendes le véhicule, quoi. Mm-hmm. Je veux dire, après, ça sera l'autre acheteur qui se collera 190 €. Quoi. D'accord. Alors, il faut faire attention aussi également au site fantôme. Donc il faut faire attention aux sites qui, moyennant finance, vous proposent de multiplier votre annonce sur des sites, sur des multiples sites, ou de vous mettre en relation avec des acheteurs. Donc les sites d'annonce avec pignon de sur rue sont une source inépuisable pour les spécialistes de l'arnaque. Donc les escrocs y repèrent votre annonce, puis via un site factice vous contactent par email et vous promettent de trouver des acheteurs. Bonjour, hein, on t'aime aussi. Hein. Sauf qu'il faut s'acquitter de 25 € pour obtenir des coordonnées inexistantes. C'est ça. Ça existe, après, je connais pas. Alors, je connais pas, mais je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, hein, ce genre de choses. Je sais pas. Après, voilà, il y a certains documents quand même à se renseigner pour l'achat d'un véhicule. Déjà, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la carte grise, qu'elle soit bien à jour, que le contrôle technique ait moins de 6 mois. Absolument. Voilà, et puis se renseigner sur les différentes réparations, savoir si y a eu, la courroie de distribution a été faite, si, voilà. Alors, concernant les chèques de banque, on dit que le recours aux chèques de banque est théoriquement le seul moyen de paiement sécurisé entre particuliers. C'est ça. Chèque de banque, quel est leur rôle? Le chèque de banque, c'est tu vas à ta banque, ça m'est arrivé, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, hein, tu prends le liquide, tu dis voilà, il me faut absolument, je dois payer par chèque, tu donnes le liquide à ta banque et ta banque te fait un chèque. Mm-hmm. Donc après, selon le montant du chèque, il faut attendre entre 24-48 heures. Et eux, ils te font un chèque de banque de cette somme-là. Donc, mmh. C'est-à-dire que la personne peut l'encaisser direct, quoi, en fait. Eh ben, ça raconte pas quand il faut que tu donnes le chèque de banque à la personne en question, surtout quand c'est des milliers d'euros, hein. Ah, t'as oui. Du mal à le donner, hein. Oui, c'est sûr. Rappelons aussi qu'il faut 2 semaines à une agence bancaire pour découvrir un chèque volé. C'est ça. Il faut 15 jours. 15 jours, voilà, pour voir si c'est un chèque en blanc, un chèque falsifié. C'est ça, parce que moi, quand j'ai eu cette histoire, le chèque a été déposé un matin sur les alentours de 10 h. À 11h30, midi, les sous étaient sur le compte, quoi. Alors, le coup de l'expert, rien à voir avec la patte de l'expert, rien à voir avec le verre, hein. Oui, laisse le chat tranquille. Donc, certains acheteurs se proposeront de venir accompagner d'un expert pour inspecter le véhicule, mais chose aberrante, ils vous réclameront une somme d'argent par virement bancaire, arguant qu'ils ne veulent pas se déplacer inutilement. Au final, personne ne viendra et vous en serez pour vos frais. Un conseil là-dessus, c'est que si ce cas de figure se présente à vous, une seule posture possible, c'est de tout simplement de ne pas donner suite. Le compte bancaire de votre interlocuteur est-il provisionné? Ça, on ne le sait jamais, ça on ne le saura pas. Et si vous avez le moindre doute par rapport à ça, mieux vaut faire marche arrière, tout simplement. C'est ça. Quoi qu'il en soit. Ensuite, on peut aussi détourner des informations. Comme par exemple, la carte grise, on va y revenir là-dessus. Premièrement, il faut jamais transmettre la copie de la carte grise ou de tout document attestant que vous êtes propriétaire. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi il faut jamais transmettre la copie de la carte grise ou tout document attestant que vous êtes propriétaire? C'est ça que je ne comprends pas. La carte grise est pourtant obligatoire. Parce que la personne peut la falsifier, mettre qu'il est propriétaire à la place. Mmh. Oui, mais non, parce que généralement, en préfecture, quand tu fais un changement de carte grise, donc il y a les documents officiels,
Et puis il y a un numéro d'identification sur les cartes grises, donc tu ne peux pas, ça se falsifie pas comme ça. Je vois pas en fait. Alors un acheteur qui se dit intéressé par votre voiture vous contacte, prétextant se méfier des vendeurs indélicats, il vous demande un scan de la carte grise, voire du carnet d'entretien attestant que vous êtes le propriétaire. Mais une fois ces données transmises, l'interlocuteur s'évapore, les informations recueillies lui serviront à créer une fausse annonce pour escroquer d'autres malheureux. Donc un conseil dans tout ça, ne donnez jamais de toute façon de copie de documents, que ce soit votre carte grise, rapport de contrôle technique aussi. Ça, c'est très important. Si l'acheteur a besoin d'informations, il faut transmettre le strict nécessaire par mail. En parlant de contrôle technique, est-ce que le contrôle technique doit être fait avant une vente ? Tout à fait. Il doit être fait avant la vente. C'est-à-dire que la personne, quand elle vend son véhicule, le contrôle technique doit être à jour. Obligatoirement. Alors après, il y en a qui disent, oui, le contrôle technique sera fait lors de la vente. Mm-hmm. On peut difficilement acheter un véhicule et faire le contrôle technique dans la foulée. Ça m'est arrivé, hein. Moi, ça m'est arrivé d'acheter un véhicule. La personne, elle a dit, voilà, le contrôle technique sera fait lors de la vente. Le véhicule a été, je suis arrivé devant le véhicule. La personne a été le passer au contrôle technique devant moi. Le contrôle technique était bon, j'ai acheté le véhicule, quoi, je veux dire. Donc après, voilà. Donc, contrôle technique vraiment obligatoire avant une vente. Ah oui. Ouais. Même d'un scooter? Il n'y a pas besoin de contrôle technique pour un scooter. Hein, mais bon, par contre, voiture. Véhicule, oui. D'accord. Voilà. Il y a aussi autre problème, c'est la non-déclaration en préfecture. Donc, il suffit d'envoyer le certificat de cession par courrier recommandé. Reste la seule preuve de votre bonne foi si l'acheteur ne fait pas le transfert de propriété. Cette arnaque que l'on peut assimiler à l'usurpation des plaques d'immatriculation ou doublettes permet aux fraudeurs d'éviter amende et retrait de points. Il suffit à l'acheteur indélicat de ne pas déclarer le transfert de propriété du véhicule en préfecture, et s'il se fait prendre, il plaidera l'étourderie ou l'oubli pour tenter de minimiser sa responsabilité. Or, la preuve de cette fraude reste à la charge du vendeur pour l'administration. Un conseil quand même dans tout ça, c'est qu'il faut transmettre la preuve de la cession dès la vente conclue par courrier avec accusé de réception, qui reste le seul témoignage de votre bonne foi. C'est ça. Je pense qu'on a tout dit là-dessus quand même. Tout à fait. Un petit au niveau de la préfecture, dès qu'on a le certificat de cession, faut l'envoyer tout de suite à la préfecture ? Ouais, tout de suite. Ou est-ce qu'il faut attendre la carte grise ? Alors le truc, c'est que si tu envoies le certificat de vente, c'est pour faire la carte grise. Oui. Puisqu'il y a toutes les informations du véhicule dessus. Donc après, si tu as les moyens de faire la carte grise de suite, bah tu l'as fait dans la foulée. Donc le mieux, c'est de prendre les documents et d'aller directement en préfecture. Ça prend une demi-journée, hein, ça prend quelques heures à faire la carte grise. Donc vous donnez des documents et avec la carte grise en question, et puis la personne de la préfecture vous fera la nouvelle carte grise. Ou sinon, vous allez en mairie, vous déposez, vous payez votre carte grise et la mairie vous met à disposition. Et dans le cas où la carte grise n'est pas à jour, comment ça se passe ? Eh ben, tu es obligé d'en faire deux, tout simplement. À ta charge. Ah bah oui, c'est à la charge. C'est-à-dire que si tu achètes le véhicule et que la personne te dit voilà, il y a deux cartes grises à faire et que tu as quand même acheté le véhicule, donc ça veut dire que tu sais que tu as deux cartes grises à faire. Maintenant, il y a un problème. Oui. C'est que tu as le premier propriétaire. Donc il faut avoir les certificats de vente du premier propriétaire. Et si tu n'as pas la feuille, tu es coincé. Et la préfecture n'a pas de certificat de vente ? Normalement, ils ont pas de copie ? Normalement, ils l'ont, mais tu es obligé d'avoir ton exemplaire. Ah oui, il y a trois exemplaires. T'en as un pour l'acheteur, un pour le vendeur et un pour la préfecture. Mmh. Donc, l'acheteur bénéficie des deux exemplaires puisqu'il doit en transmettre un à la préfecture pour la carte grise et conserver son exemplaire. Et l'acheteur doit en faire une copie si, des fois, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des problèmes de doublette ou quoi que ce soit. Donc ça, à la limite, de toute façon, ça ne coûte rien au moins de se renseigner à la préfecture. Bien sûr, tout à fait. Ça ne coûte rien. Dans cette, par exemple, s'il y a un blocage, un petit souci administratif, au moins de se renseigner à la préfecture, c'est savoir comment se sortir de cet impasse. Ça ne coûte rien, ça, par contre. Après, le problème, c'est que voilà, quoi. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire ne pas acheter de véhicule si on vous dit qu'il y a deux cartes grises à faire, quoi. Oui, ça c'est sûr. Parce que le problème, c'est que si vous ne retrouvez pas, si la personne vous donne pas les documents du premier propriétaire du véhicule, vous ne pouvez pas changer la carte grise. Et dans le cas où on a, parce que c'est, on connaît ça, dans le cas où on a le premier propriétaire du véhicule, mais qu'on n'a pas la carte grise du vendeur, comment ça se passe ?
Eh ben, il te faut la carte grise automatiquement. Et la préfecture peut pas résoudre ce problème? Non, non, tu ne peux pas. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait eu une déclaration de perte ou de vol de la carte grise pour que la préfecture puisse en refaire une. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de déclaration comme ça. Tu étais au courant, ça, Charlotte? Peut-être que tu n'as pas de véhicule. Si, j'en ai un. Et tu étais au courant? Non, pas du tout. Bah, c'est bon à savoir quelque part, parce que moi même qui n'ai pas de véhicule, c'est quand même bon à savoir tout ça. Allez, dernière question. On sort un petit peu du sujet. On va quand même, c'est quand même une question qui était d'ailleurs un des sujets qui était prévu ce mois-ci si on devait finir la saison comme prévu. C'est peut-on vivre sans argent? Hein? Bah non. Non, pourquoi? Est-ce que pour toi l'argent fait, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que oui, c'est vrai que ça fait pas le bonheur, mais pour se nourrir et tout ça, on a besoin d'argent pour acheter de la nourriture, de quoi se loger, pourquoi et tu, tout ça. Non, pourquoi tu ne peux pas brouter de l'herbe pour te nourrir gratuitement? Non, bah non, excuse-moi, je fais pas du lait. On sait jamais, hein. Après, tu vas dans des potagers gratuits. On a vu des pommes, par exemple, un pommier. Tu vas dans les pommiers, les cerisiers. Vas-y, hein. Non, on peut pas. Pour se nourrir. Après, si tu as la main verte et que tu as la possibilité de te faire ton propre potager, ouais, tu peux. Ouais, mais ça a payé quand même le potager. Il faut payer les graines. Hein. Bah, les graines, t'es pas obligé de les payer. Tu les voles, c'est pas grave. Oh, pas bien, pas bien. Je vais vous donner quelques petits exemples, notamment pour s'habiller, par exemple. Bah, à poil. Pour s'habiller à poil. On a une nudiste avec nous. Ouais, mais en hiver, ça caille, hein, quand même. Alors, pour s'habiller, comment est-ce qu'on est, quoi qu'il en soit, obligé de compter sur notre argent pour s'habiller, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour nous habiller? Les trucs Emmaüs et tout ça. Voilà, bonne réponse. Effectivement, on peut compter sur la solidarité avec les relais de la Croix-Rouge ou Emmaüs, tout simplement, ou encore aussi des vide-placards. C'est ça. Qui fonctionnent sur le principe du troc et du don. Donc d'ailleurs une quantité de groupes classés par département aussi il y a des sites qui existent, il y a des sites de dons qui existent, hein, des dons, des échanges aussi, et sur Facebook aussi on peut faire des trocs. Il y en a une chier maintenant des trucs comme ça sur Facebook. Voilà, et on serait quand même aussi surpris de ce que les gens se débarrassent. C'est ça. Et en donnant, pas en vendant. C'est très important. Il y en a qui font des échanges du style un paquet de biscuits et une bouteille de soda contre, je veux dire des bêtises, hein, contre, tiens, trois jeans et deux chemises, quoi. Alors ensuite, pour avoir des objets qui nous manquent, par exemple, des objets électroménagers, des DVD, des outils de bricolage, des matériels de périculture, d'après vous, on a forcément obligé d'avoir de l'argent, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour en avoir? Et là, c'est le drame. Moi, je réponds pas. Oui, c'est parce qu'on a la réponse. D'après toi, Charlotte? Moi, je dirais Emmaüs aussi, parce que je vois qu'Emmaüs, ils ont plein de choses. Alors, c'est pas Emmaüs, c'est-à-dire qu'on peut avoir recours à des sites de prêts entre particuliers. De prêts. Cette fois, c'est pas des dons. Il existe des sites de prêts. Ouais, d'accord. Sur un site qui s'appelle pretout.com. D'accord. pretoo.com. À se renseigner, j'espère que c'est fiable, parce que des prêts, on parle de prêts quand même. Si on vous demande une caution de 10 000 euros, vous me faites signe. Hein. Par contre, parce qu'on parle de prêts quand même. Hein. Parce que là, par contre, on revient dans l'arnaque s'il y a des prêts, s'il y a des chèques comme ça. Hein. Des cautions, on va dire. Ensuite, pour se divertir, donc on parle d'une connexion Internet qui suffit. Mais est-ce que la connexion Internet est gratuite? Faut-il encore l'avoir, la connexion? Non, mais déjà, est-ce que c'est gratuit? Ben non, tu payes un abonnement de toute façon. Alors oui et non. Oui, si tu te connectes sur des sur des lieux publics, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Sur les lieux publics, oui, bien sûr. Mais donc quand même une connexion Internet suffit, notamment pour des films, des livres en PDF, des infos et même des jeux en ligne. Et quand on se lance dans ce genre de projet, un ordinateur est indispensable. Et la question, est-ce que l'ordinateur est gratuit? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc il faut de l'argent pour acheter un ordinateur. Alors faut être débrouillard. Alors, quelques euros par mois, ça se trouve, parce qu'il faut vendre les surplus du potager, des objets artisanaux oui, sur le marché, une compétence en informatique, en traduction ou en plomberie, en offrant ses services sur www.jemepropose.com. Par exemple. Par exemple, bien sûr. Tant qu'à faire. C'est dit au courant? Pas trop. Et ben maintenant tu le sais. Voilà. Merci. De rien, on sait jamais, ça peut servir. Je serais moins conscient, tiens.
Ah ben au moins t'as bien fait d'être là aujourd'hui. T'étais pas là hier, et ben aujourd'hui t'apprends des choses. Tu comprends pourquoi hier soir t'as mal dormi. C'est un mal pour un bien, hein, notre panne technique d'hier, vous avez vu, hein, c'est un mal pour un bien quelque part. Hein. Ensuite, pour se soigner, est-ce qu'il faut de l'argent? Non, il y a les plantes. Ben non, t'as la CMU, c'est plus simple. Ouais, mais question, la CMU, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Bah non, elle n'est pas accessible à tout le monde, forcément, elle est gratuite pour les plus démunis, on va dire. Le seul truc, c'est que, ouais, comme on dit, c'est un truc gratuit, mais bon, c'est payé par ceux qui sont solvables, quoi. Alors, si ceux qui n'ont pas droit à la CMU sont obligés de payer une mutuelle, et qui dit payer, dit débourser de l'argent, évidemment. Donc, on ne gagne pas d'argent quand on paye une mutuelle, bien sûr. C'est ça. Bon, après, ça évite les frais d'hôpitaux et tout ça, mais bon, voilà, quoi. Ensuite, pour les déplacements et les voyages. Argent ou pas argent? Tu m'as dit argent. Que... Alors, Lionel m'a dit un truc hier, sur ce principe-là. Ben, pas forcément. Tu m'as parlé des covoiturages hier. Covoiturages, bien sûr. C'est vraiment pratique et fiable, ça. Et on doit pas, au niveau du covoiturage, il n'y a pas une participation à l'essence? Ça dépend. Après, c'est pas tout le monde qui, si c'est pour faire 3 km, participation à l'essence, tu t'assois dessus. Hein. Et le vélo? En fait, tu as partagé une selle pour deux. Non, mais le vélo, tu payes rien en vélo. Enfin, à part le vélo, bien sûr, lui-même, mais t'as pas d'essence en vélo. Ah non, c'est sûr. Non, mais bon, c'est sûr que si tu dois faire 40 km sous une pluie et d'orage en vélo, ça va être un problème quand même. Hein, je vous dis franchement. Ensuite, donc même principe pour payer la connexion internet et la ligne de téléphone fixe. Voilà, ça c'est très important. Donc il s'agit d'argent, mais sans avoir besoin d'un emploi et de toutes les contraintes qui vont avec. Vous pouvez aussi avoir recours au troc grâce aux selles. Qu'est-ce que des selles? Alors ça n'a rien à voir avec la bouffe, hein. Ça n'a rien à voir. Alors le sel, je crois que ça a à voir avec les trocs en ligne. Donc, si je ne me trompe pas. Avec des associations qui proposent de troquer un service contre un autre. Voilà ce que c'est que le sel. Vous étiez au courant? À Elsie, ils ne le font pas, ça? Le sel? Non. Ben, peut-être que ça peut être intéressé, ça peut être sympa. Oui, oui. Vous pouvez aussi échanger votre chambre contre un autre au bout du monde. Ça, par contre, je le déconseille fortement quand même, parce qu'on ne sait pas à qui on offre sa chambre quand même. Via un site qui s'appelle coachsurfing.com. Voilà. On peut aussi offrir un billet d'avion pour son anniversaire en se cotisant sur une plateforme telle que litchi.com. Alors litchi, ça n'a rien à voir avec la bouffe. Hein, ça, on bouffe, hein, ça n'a rien à voir. C'est un site de dons. Je sais pas si d'ailleurs les associations se servent souvent de ce site pour avoir des dons, notamment pour les marches. Gap, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Litchi.com. Donc oui, mais je suis pas forcément pour ce genre de pratique, en fait. De faire des dons. Donc, en gros, n'importe qui peut faire des réclamations maintenant. Écoutez, demain, j'ai envie d'aller aux États-Unis, je vais donc créer un compte litchi.com pour avoir mon billet d'avion. C'est dégueulasse. Vous trouvez ça normal? De faire ce genre de pratique? Merci, Lionel, pour ta réponse. Non, après, je sais pas. Ça dépend dans quel intérêt, quoi. C'est ça. Bah si c'est que personnel et sans remerciement et sans être reconnaissant, si par derrière c'est sûr que si tu dis voilà c'est pour aller voir ma tante Cerfeuil qui est malade et qui est entre la vie et la mort aux États-Unis, bon c'est pas pareil. On pourrait le faire hein, ça avec l'association litchi.com, mais non, je préfère mieux que ça soit don libre. J'ai pas envie que ça qu'on impose. Donnez-nous 300 euros pour qu'on vive. Non. J'aime pas trop ce genre de pratique. C'est un très bon site. Vu qu'il n'en veut pas, vous me le donnez à moi comme ça. Il y en a qui se servent aussi de ce site pour des dons pour ceux qui veulent créer des musiques, pour ceux qui veulent faire un album de musique. Il y en a qui font ce genre, voilà, il y en a qui ont besoin de 3000 euros pour avoir un album et ils sont obligés de passer par ce genre de site pour que leur album se réalise. C'est ça. Bon, ben, chacun son truc, mais est-ce que vous êtes pour ou contre cette pratique, en général? Moi, je suis pas contre, hein, après. Hein, ça dépend de l'intérêt de la recherche, quoi. C'est ça. D'accord. Ensuite, autre chose, pour s'instruire, pour se former, outre la bibliothèque, on peut avoir recours au MOOCs, M-O-O-C-S. Qui sont des plateformes qui offrent des formations très complètes dans divers domaines gratuitement. Ça peut être sympa, ça. Oui. Aussi. Comme vous ne gagnez pas d'argent, ou presque, le RSA et le revenu minimum vieillesse garantissent tout de même un apport de 500 à 800 euros par mois. Mais vous êtes quand même... Donc là-dessus, on n'est pas imposable. Et on a droit à toutes sortes d'aides, notamment pour payer l'électricité, le gaz et l'eau. Donc je rappelle que pour l'électricité, par exemple, on a une aide annuelle de 80 euros.
quand on est seul, hein, c'est pour une personne seule. 80 €, on peut le demander, c'est par année, tout renouvelable tous les ans. Voilà, c'est oui, généralement maintenant ils envoient directement le truc, hein, parce que moi je le reçois tous les ans. Donc... Tout comme par exemple pour ceux qui ont la mutuelle et qui sont à la MDPH, on peut avoir recours aussi à une aide financière de la part de la Sécurité sociale. Mm-hmm. Je tiens à le dire aussi. Donc maintenant question, comment faire si on préfère vivre en ville, si on veut vivre sans argent? Ben, faut utiliser les transports en commun. Gratuit? Ouais, tu fraudes. Oh, oui. C'est ce que j'allais sortir. Oh, oh, que j'entends. Choqué, ça y est. Oh, je suis très choqué. Donc, effectivement, il y a le bus, le tramway, le métro, le Vélib, effectivement. Donc, après, faut voir, quoi. Je veux dire, il y a des abonnements qui sont relativement assez, c'est pas forcément, excessivement cher, quoi, je veux dire. Et qu'est-ce que vous en pensez de vivre en colocation? Il faut savoir choisir ses colocataires. Ouais. Ça, c'est une grosse question. Si tu t'entends mal avec, t'es mal barré. C'est ça, tout à fait. Et après, tu te le morfles pendant combien de temps? À life. Voilà, donc... J'ai jamais été pour la colocation, moi, de toute façon. Donc, en conclusion, est-ce que oui ou non, on peut vivre sans argent? Ben, non. C'est un peu difficile, quand même. Hein. Un peu, on va dire, à moitié un peu, possible. Un peu beaucoup. À moitié possible, mais impossible en termes généraux, quoi. On est obligé de vivre avec de l'argent. Bah, il faut un minimum, quoi, hein, je veux dire. Hein, de toute façon, il faut un minimum pour pouvoir subvenir aux besoins primaires, quoi, je veux dire, hein, qui est manger, puis voilà, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier détail? Nine. Voulez-vous faire une petite conclusion sur le sujet? Sur yes. Le sujet. Le temps que je prépare la pause. une conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que non, mais bah ouais, enfin, se méfier, voilà, on va revenir dessus, mais des annonces trop alléchantes, trop pétillantes, quoi, je veux dire, où ça attire l'œil et qu'on se dit, ouais, je vais faire une affaire en or, quoi. Ah, je pense que le chien veut s'exprimer aussi. Tu crois qu'il a vu une arnaque, il veut nous Je sais pas, c'est sur ma basine en plus. Il s'est fait arnaquer sur la maîtresse. Ah, oh là, tu m'étonnes. Charlotte, une petite conclusion de ta part, possible aussi? Ouais, de faire très très attention, quand vous voyez des annonces, des trucs comme ça, de bien se renseigner avant, parce qu'on peut vite se faire arnaquer, en gros. On peut se faire arnaquer pour tout. Même pour la bouffe! Ah, on n'a pas parlé de ça. Comment ça, on peut se faire arnaquer pour la bouffe? Bah, des fois, quand il y a des promos et tout ça, tu crois que tu vas gagner, un peu plus d'argent parce que tu as des promos, puis qu'en fait, ça te double encore ta liste de courses. Ça m'est déjà arrivé une fois, ça. Mm-hmm. Et parce qu'en fait, si tu regardes mal, en fait, ils font des promos, mais que pour les personnes qui ont une carte de fidélité. Et toi, tu dis, ah, bah super, une promo, tu prends. Puis après, bah arrivé à la caisse, ah, mon Dieu. D'accord. Vous avez la carte de fidélité? Non, je n'ai pas, plein pot. Ah oui, c'est un exemple. Alors en fait, c'est de l'arnaque, comment dire, parce que il y a des... C'est de la tromperie, c'est pas... Ouais. Voilà, ça veut dire que, par exemple, il y a des annonces sur des brochures, on vous dit, voilà, vous avez 50% de réduction, et une fois en caisse, on va vous dire, non, désolé, il vous faut un truc particulier. Mais... Même quand il y a des panneaux dans les rayons, c'est marqué promo, mais ils te disent pas que c'est pour les personnes qui ont la carte du magasin, en gros. Moi, par contre, il m'est arrivé une tuile, à ce niveau-là, Lionel doit être encore mort de rire quand je vais parler de ça. C'est-à-dire qu'on vous affiche en gros et en large promotion, voilà, avec juste en dessous le produit. Tu vas en caisse parce que tu dis c'est chouette, t'as le produit en fait. Tu vas en caisse et tu le payes plein pot. Tu sais pourquoi? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait la promotion commence le lendemain. Oh putain. Ça c'est ballot, ça. Ça c'est bien. Ça s'appelle ne pas lire l'affiche, quoi. Non mais c'est pas ça. C'est qu'on vous annonce. Non mais en plus la date il est pas marqué en grand. Il est tout petit. Tu le vois pratiquement. C'est presque illisible la date des promotions. Donc t'as en gros sur les rayons centrales t'as une promotion de bouffe. Donc forcément tu te dis bon ben voilà c'est à prendre. Il y a pas de souci. Mais une fois en caisse ben t'as rien sur la carte de la carte de fidélité. Ouais mais c'est arrivé dans un supermarché qui faisait des promos. Mmh. Et puis en fait donc tu vois, je me suis dit super et tout ça, donc
Je fais mes courses, la plupart des trucs étaient en promo. Et comme j'avais pas la carte, bah, j'ai payé plein pot. Voilà. Et je peux dire que ça fait mal, hein. Oh putain. Bon, ça aurait pu être pire, hein. C'est, si c'est pour 2 euros, si c'est pour 2 euros encore, tu t'en fiches. Mais alors, par contre, si c'était 10 euros de perdu. Ah, mais c'était plus, moi. C'était, ah, c'était plus. D'euros. Combien? Une trentaine. Ah, une trentaine d'euros de quoi sur, qui devait être sur ta carte de fidélité? Non, que, en fait, que j'ai pas fait gaffe. Que, tu sais, quand tu vois les trucs en promo, tu prends, et puis que quand tu passes à la caisse, tu passes pas, tu payes plein pot. Et en fait, je me suis fait raquer de 30 balles, quoi. 30 euros, parce que 30 balles, c'est 30 francs. Oui, pardon. Ça va être dur, 30 francs. Hein. Bon, bah, écoutez, est-ce que quelque chose, dernière arnaque à dénoncer? Où est-ce que tout, où est-ce que le tour est fait? Bon, je pense que le tour est fait. Le tour est fait, je pense. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.